laissez-moi là. Non, je peux pas rester. Non, parce qu'il y a du monde, tiens. Mais j'en sais rien, moi, ils sont arrivés dans la nuit. Allez, viens me chercher. Et apporte-moi des fringues. Mais grouille-toi. Mais non, t'inquiète pas, je vais te réaliser. Allez, presse-toi. Merde. C'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que cette baraque? Sortie de Lyon. Mais alors. Non, mais Jacques, je suis sûre que ce n'était pas eux. Marie, Patrick! Mais écoute, tu dormais à moitié quand je les ai doublés. Mais moi, j'ai bien reconnu leur voiture. Qu'est-ce que tu paries qu'ils sont arrivés par la route de Grasse? Oui, attends, je vois. Écoute, je suis sûre que leur voiture est là. Alors? Ben non, elle n'est pas là. Alors, c'est curieux. Mais alors, écoute, s'ils ne sont pas arrivés, mais alors, mais qui a ouvert cette porte? Mais écoute, souviens-toi. Patrick nous a dit que l'agence l'avait assuré que la femme de ménage passerait vers 10h et qu'elle aurait les clés. C'est certainement elle qui est venue ici pour aérer un petit peu avant notre arrivée. D'ailleurs, elle a bien fait parce que, dis donc, ça sent un peu le renfermé quand même ici. Un peu? Beaucoup. Écoute, j'ai l'impression que la maison est inhabitée depuis des mois. Écoute, Jacques, je vais faire un petit courant d'air, hein? Ouais. Et voilà. Eh bien ça, ça, c'est bien la preuve que Marie n'a pas encore mis les pieds ici, parce que c'est ce qu'elle aurait fait en arrivant. Mais où sont-ils donc, Marie, Patrick? Bah, la cuisine est vide. Écoute, Jacques, ils ont dû descendre prendre un petit déjeuner à Antibes. Moi, je les vois plutôt du côté d'Aix-en-Provence. Mais enfin, si tu préfères Antibes... Mais alors, Jacques, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire comme eux, on va descendre à Antibes, prendre un petit déjeuner... Et en profiter pour faire quelques courses. Mais oui, mais je suis sûre qu'on les trouvera là-bas. Mais oui. Mais où vas-tu? Mais écoute, je vais déposer notre valise dans notre chambre. Au fait, quelle chambre on prend? Mais Jacques, mais la même que l'année dernière, c'est la plus grande. Et tu sais bien que Marie va faire ses petites donnes sur le parc. Allez, allez. Parfait. Mais dépêche-toi. D'accord. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, j'ai oublié mon sac dans la voiture. Oh, mais qu'est-ce que ça peut faire? Il ne risque rien, on repart dans 5 minutes. Oh, mais Jacques, Jacques, c'est plein de rondeurs sur la côte. Oh là là, je vais voir la voiture. Dépêche-toi, je t'attends dans la voiture. D'accord. Mais Jacques, mais c'est pareil. Tu sais,
sais, avec les cartes, il faut interpréter. L'ennui, eh ben l'ennui, il était bien au bout de la route, hein. Ouais, d'accord. Ça y est, tout compris. C'est pour ça que tu m'as dit toute la nuit de ralentir. Voilà. Parce que, j'étais sûre qu'il allait arriver. Oui, que oui, je tiens la preuve. D'accord. Alors calme-toi. Je te crois. D'ailleurs, c'est même pas la peine que je te tienne tête. Tu as toujours raison. Ah, écoute, Jacques, c'est pas moi, c'est les cartes. D'accord, c'est les cartes. Elle n'empêche qu'il faut appeler la police. Non, 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 non. Moi, j'attends d'abord qu'il se réveille. Mais Jacques, qui ça peut être? Eh ben, t'as qu'à te faire les cartes. Arrête. C'est pas le moment de plaisanter. Non, je pensais. Oh, dans quel état je suis? Écoute, calme-toi, ma chérie. Allez, calme-toi. Je ne t'ai même pas remercié. C'est vrai que sans toi, c'est moi qui serais allongé par terre en ce moment. Calme-toi, alors. Calme-toi. Attends une seconde. On n'entend plus. Qui ça? La fille. Quelle fille? La fille nue qui était dans les chambres tout à l'heure. Il y avait une fille nue? Oui. Tu l'as vue nue? Ah ben oui. Oh! Oh! Ah mais non, mais calme-toi, j'en ai vu d'autres, hein. Quoi? Avant notre mariage. Ah, bon. Oh. Et c'est pour ça qu'il m'a attaqué celui-là tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il a cru, mais enfin bon. Mademoiselle. Mais Jacques. Mademoiselle, oui. Mais Jean, mais pourquoi elle ne répond pas? Mais parce qu'elle a peur, certainement. Attends une minute. Quoi? Jacques, je vais faire le tour, je vais aller à la porte-fenêtre. Peut-être qu'une fois qu'elle va avoir... ça va la rassurer, tu ne penses pas? Non, dans l'état où tu es, ça m'étonnerait. J'y vais. Mademoiselle. Tiens, ça je suis sûr que c'est Patrick et Marie qui nous appellent pour s'assurer que nous sommes là. Allô? Oui, c'est moi. Comment savez-vous? Pardon? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais quand? Oh là là, mais c'est épouvantable. Où ça? Mais attendez, vous êtes sûr là? Jacques! Non, vous êtes sûr? Oui. Oui, on va bien tout à l'heure. Attendez, je note. Jacques! Oui. Attends une seconde! Oui. Très bien, brigadier, je vous remercie. Oui, merci. Jacques a appelé la police? Oui. Non, c'est elle. La police a appelé ici? Oui. Oh, mais comment? La police est déjà au courant? Ah, mais non, mais c'est pas pour lui. Mais alors pourquoi? Mais c'est pas grave, mais... Mais quoi? Patrick et Marie ont eu un petit accident, voilà. Mais c'est pas grave, je te dis. Calme-toi, c'est pas grave. C'est surtout leur voiture qui a trinqué, voilà. Et où sont-ils? Mais non, à l'hôpital, ils nous attendent. Écoute, Jacques, s'ils sont à l'hôpital, ils savent que c'est grave. Mais non, ils sont là-bas pour vérifier, c'est tout. Mais pour vérifier quoi? Ah, mais j'en sais rien, moi. Pour repasser des radios de contrôle, sans doute, voilà tout. Ah non, écoute, c'est pas le moment, je t'en prie, fiche-moi la paire avec les cartes, s'il te plaît. Hein? L'accident, c'est sur nous que tu l'avais vu, c'est pas sur eux. Hein? Oh, mais Jacques, c'était sur nous quatre. J'avais fait un jeu sur nous quatre pour savoir comment se passer nos vacances. Ah bon? Mais il y avait l'accident, ça ne rate jamais, je te dis. Bon, écoute, l'accident, il a eu lieu, maintenant ça y est, et c'est pas grave, alors je t'en prie, calme-toi. Et le 9 de pique sur le 10 de carreau, qu'est-ce que tu en fais? Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura une rupture. Entre nous? Mais j'en sais rien, peut-être entre nous, ou peut-être entre Patrick et Marie, ou peut-être entre nous et Patrick et Marie, mais il y aura une rupture. Parce que tu m'entends, Jacques, trois fois j'ai mis le 9 de pique sur le 10 de carreau, trois fois tu m'entends? Bon, d'accord. Oui, bon, écoute, de toute façon, il faut que nous allions à l'hôpital, alors fiche-moi la paix avec tes cartes, tu permets? Oui. Hein? Et lui, là, qu'est-ce qu'on en fait? Quoi? Qui? Ah, mais oui! Bon, merde, quelle journée! Bon, et la fille? Ah, ben la fille, elle est plus dans la cuisine, hein! Quoi? Mais non, c'est pour ça que je t'appelais! Quand elle m'a entendu, elle a ouvert la fenêtre, elle s'est sauvée! C'est pour ça qu'on n'entendait plus, tiens! Et où a-t-elle pu aller dans cette tenue? Ah, il y a un pavillon au fond du parc, c'est sûrement là qu'elle s'est réfugiée! Ouais, t'as certainement raison. Tiens, tu sais ce qu'on va faire quand il va être réveillé, celui-là? On va le traîner dehors. Quand elle le verra, elle sortira, voilà. Oh, tiens, regarde, ça y est, le blé qui se réveille, va savoir. Voilà, alors, salaud. Ben voilà.
ça commence bien. Mais écoute, chérie, ne t'énerve pas, hein. Mais voyons, mais je m'énerve pas, moi. J'ai jamais été aussi calme, alors. Alors, jeune homme, à nous deux. Mais où est Myriam, là? Quelle Myriam? Écoute, Jacques, il veut parler de la fille. Ah oui, certainement, oui. Ah oui, eh bien, écoutez, à notre avis, elle doit être dans le pavillon au fond du parc. Voilà. Mais qu'est-ce que vous l'avez fait? Rien, mon vieux, rien. Figurez-vous, elle courait trop vite, j'ai même pas eu le temps de la violer. Là, vous êtes rassuré? Mais qui êtes-vous? Eh mais dis donc, vous croyez pas que c'est plutôt à nous de vous poser cette question? Non, hein? Attends, mais ne t'énerve pas, alors. Mais vous voyez que je m'énerve? Non, je veux simplement dire, parle moins vite et calmement. C'est vrai. Dis donc, eh, c'est vrai, après tout, ma femme a raison. Dis donc, c'est à moi de vous poser cette question, c'est pas à vous. Allez, qui êtes-vous, là? Eh dis donc, il recommence, hein. Nous sommes les locataires. Quel locataire? De cette maison. Nous avons loué cette maison du 14 juillet au 15 août, jeune homme. Voilà, et nous sommes ici chez nous. Mais qu'est-ce que vous racontez, là? C'est pas possible, ça! Mais comment ça? Comment ça, c'est pas possible? Et si, c'est tout à fait possible. C'est même certain, parce que si nos amis qui ont loué cette maison n'avaient pas eu un accident de voiture, eh bien, ils seraient là pour vous le confirmer. Ce sont eux qui ont traité avec l'agence. Ça, c'est complètement dingue, ça. Qu'est-ce qui est dingue? Mais pourquoi c'est dingue? Bon, écoutez, j'ai rien à vous dire, de toute façon. Si, mon vieux. Alors là, non, non, attendez. Là, c'est trop facile, parce que vous allez tout nous dire. Qui vous êtes? Vous. Vous, votre petite amie. Et pourquoi vous m'avez attaqué? Sinon, eh bien, c'est simple, j'appelle les gendarmes, et c'est avec eux que vous vous expliquerez. Voilà. Et j'ai dû taper trop fort, c'est pour ça que... Alors? Ben, je veux d'abord la voir. D'accord, mais bon, après, alors dépêchez-vous. Vous pouvez vous lever? Mais je crois. Il faut pas croire, mon vieux, faut en être sûr. Alors, debout? Mais allez! Ça va? Ouais, ça va, ça va. Parfait, bon. Vous voulez toujours pas me dire qui vous êtes? Mais quand je l'aurais vu. Bon, parfait, mais en route, allez, en route! Non, écoute, Jacques, je t'accompagne, hein? Je ne risque rien, t'as vu dans l'état où il est? Alors... Oh, jamais... Fais attention quand même, Jacques! Oui, mais alors, s'il te plaît, ne me parle pas comme un gamin, hein? N'empêche que Jacques, si j'avais pas été là, tu ne serais peut-être plus là! Oui, d'accord, mais comme j'y suis, laisse-moi faire, d'accord? Et téléphone plutôt à l'hôpital pour leur dire que nous aurons un petit peu de retard. Compris? Le numéro est sur le bloc. Ah, oh là là, oh non non, il faut d'abord que je donne un petit peu d'ordre ici! Non mais écoute, la femme de ménage fera ça après quand elle reviendra. Elle doit pas être bien loin. Elle fera ça pendant que nous serons à l'hôpital. Ah voilà. Non. Oh là là, écoute, ces voix tous bazar. Tu sais quoi, je les connais ces filles-là. Si on veut les conserver, faut tout faire à leur place. Alors. Bon, écoute, t'as qu'à le faire si ça te fait plaisir, mais surtout, n'oublie pas l'hôpital, d'accord? Mais dépêche-toi. Oui. Alors, comment vous appelez-vous? Arnaud. Arnaud comment? Je vous dirai quand je l'aurai vu. Parfait. Eh bien, on se dépêche, on y va, on n'a pas de temps à perdre. Allez, en route. Oh, mais j'avais vu qu'il fallait pas laver cette maison, je l'avais vu. Oh, ça, pour une belle maison, c'est une belle maison. Ça, je ne regrette pas de l'avoir loué. Mais qu'est-ce que ça fait par terre, tout ça? Il n'y a pas de femme de ménage ici? Et Josette? La rupture! La rupture! Mais qu'est-ce que ça peut être cette rupture? Parce que ça va arriver! Je suis sûre que ça va arriver! Ah oui, elle est belle la maison. Ah oui, et puis je ne l'imaginais pas aussi grande.
Ah, mais vous savez, je vous aiderai, hein. Oh, c'est drôle, ça. Quoi? Ah, ce que vous venez de dire. Celle-là, c'est la première fois qu'on l'a fait. Elle m'aidera. Mais non, c'est pas vous qui m'aiderez. C'est moi qui vous aiderai. Vous? Oui, oui, je ne peux pas rester sans rien faire. C'est pour ça que je ne voulais pas de vous. Comment? Non, mais rassurez-vous, je vous garde. Je vous garde, je vous garde. Mais au départ, j'avais bien dit à ma sœur, surtout tu ne prends personne, je ferai tout. Comme d'habitude, elle ne m'a pas écoutée. C'est pour ça qu'elle vous a prise. Oh là là, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes encore plus... Vous avez l'air très pâle, là. Non, mais là, excusez-moi, mais là, tout de suite, là, je voudrais comprendre. Oh là là, comprendre quoi? Parce qu'il se passe. Ah bon, et qu'est-ce qui se passe là? Que... Je ne sais pas, mais il faut que je voie mon mari. Ah bon, votre mari là? Oui, il est dans le jardin. Ah bon, c'est le jardinier? Mais non! Mais non, il est dans le jardin parce qu'il cherche la fille qui s'est sauvée quand il est entré dans sa chambre. Parce qu'il la croyait vide. C'est pour ça qu'il est assommé? La fille? Mais non, le squatteur! Ah bon? Et quel squatteur? Mais celui qui croyait que mon mari voulait la violer? Oui. Oh là là là. Et il ne voulait pas, lui? Mais non, parce qu'il la croyait vide. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oh là là. Maintenant, il faut que j'aille à l'hôpital. Ah ça, alors là, ça c'est très vrai. Oh, c'est parfait. Il faut aller à l'hôpital. Voulez-vous que je vous emmène? Ah non. Laissez mon mari mal faire. Enfin, vous savez, les gendarmes m'ont dit que c'était pas grave. Oh là là là, on ne sait jamais. Vous savez, c'est pas les gendarmes qu'il faut voir, c'est un docteur. Mais on va le voir en arrivant, il nous attend. Oh, mais c'est très bien ça qu'ils vous prennent en urgence, c'est très très bien. Ah, mon Dieu, vous n'avez pas de fracture? Oh là là, mais non, rassurez-vous, mais pas de fracture, mais non, rien du tout. C'est juste un bon coup de soleil. Hein. Mais non, c'est leur voiture. Oh, quelle voiture? Mais la voiture de nos amis, ils ont eu un accident. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Oh, vous savez, oh, je l'avais vu quand j'avais retourné. La voiture? Mais non, un œuf. Quel œuf? Mais le neuf de pique sur le 10 de carreau. Oh là 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 là. Bon, bah, écoutez, détendez-vous ma petite dame, j'appelle le SAMU. Ah mais non, c'est pas la peine. Il va mieux. Ah bon? Oui. Il est dans le jardin avec mon mari. Oui. Il cherche la fille, vous comprenez, elle se cache. Ah bon, ils sont en train de jouer à cache-cache, là. Mais non. Elle se cache parce qu'elle est toute nue. Oh, ben tout s'explique. Oh, c'est extraordinaire. C'est pas possible. Mais écoutez, vous n'avez pas l'air de me croire. Oh, mais c'est... Oh, ben si, oh, si, je vous crois. Mais êtes-vous sûr que votre mari est par là? Vous êtes bien sûr? Je voudrais bien le voir, moi, votre mari. Oh, ben dis donc, dites tout de suite que je suis folle, hein. Ben non, pas encore tout de suite. Non. Écoutez, si c'est comme ça, vous n'avez qu'à aller voir. Ah, mais c'est ce que je vais faire. Mais voyez, là, ça m'ennuie de vous laisser seule actuellement. Mais pourquoi? Oh, ben pour rien. Détendez-vous un peu, là. Je vais aller chercher tout votre petit monde, là. Hein? Et profitez-en pour vous reposer, hein. Oh, mais ben, non. Il faut que je nettoie tout ça. Ah, non. Ça, ne vous tracassez pas, je m'en occuperai tout à l'heure, moi. Vous savez, le ménage, moi, ça me connaît, c'est mon métier. Votre métier? Oui, j'ai une petite entreprise de nettoyage à Paris. Ah, mais dis donc, mais alors, mais c'est bien vous? C'est bien moi, quoi? La femme de ménage. La femme de ménage? C'est pas vous. Eh bien, si. Ah, si. Oh, si ça peut vous faire plaisir, si, c'est bien moi. Voilà. Et parce que, comme tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous ne vouliez pas de moi, alors vous savez, ça m'a retourné, ça... Je vous faisais une blague. Une blague? Oui, j'adore faire les blagues. Ah oui. Bon, ben écoutez, profitez-en, là, détendez-vous. Oui. Je vais aller vérifier, là, dans... Bon, par où sont-ils partis? Par là. Ah bon? Mais vous pouvez aussi aller par là. Là, oui, d'accord. Vous n'aurez pas de mal à les trouver. Oh, ben écoutez, une fille nue, un squatteur, un jardinier, ce sera plus facile à trouver qu'un trèfle à quatre feuilles. Allez, à tout de suite. Mais au secours, moi, qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là. Elle est folle. Elle est complètement folle. Oh là là, mon Dieu. Il faut que je prenne mes calmants. Où est-ce que je les ai encore fourrés? Ah, puis, je les ai mis mes calmants dans la valise dans la chambre. Oh là là. Mais il fallait pas la louer, cette maison, mais il fallait pas, je l'avais dit qu'il fallait pas la louer, cette maison.
ici, grouille-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais dis, je dis, presque. Dominique, ça y est. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Je me présente, Jacques Pertuis. Vous venez d'arriver? Oui. Ah, ben c'est parfait, ça. C'est très bien. Mais dis donc, c'est ma femme qui doit être contente. Ah, oui, oui. Oui, vous êtes déjà au travail, c'est bien, ça, c'est très, très bien. C'est parfait. Ma femme est dans les chambres. Ah, non, non, non. Ah bon? Bon. Eh bien, à tout à l'heure. Oui, c'est ça. Jacques! Jacques! Oh, Jacques, tu es là! Oh, dis donc. Et ça y est, on a retrouvé la fille. Hein. Elle s'est enfermée dans le pavillon. Elle refuse de sortir tant que je lui aurais pas amené sa robe. Ils m'attendent tous les deux là-bas. Hé, hey Jacques, oui. Tu as vu la femme de ménage? Ah ben oui, à l'instant. Elle est bizarre, hein? Ah oui, tu trouves aussi? Ah oui, alors, dis donc, qu'est-ce qu'elle est bizarre? Elle veut faire descendre son entreprise ici. Son entreprise? Oui, de ménage. Elle a une entreprise de ménage à Paris. Non, attends, qu'est-ce que tu me racontes là? T'es sûre d'avoir tout compris? Oh, je sais pas, tu sais, elle est tellement bavarde, hein? Bavarde? Ah ouais, t'as pas trouvé? Ah bah non, bah justement, bah c'est plutôt le contraire d'une bavarde. C'est pour ça que j'ai trouvé bizarre, d'ailleurs. Oh bah écoute, avec moi, je sais pas ce qu'elle avait, elle m'a arrêté le port. Non, attends, qu'est-ce que t'as raconté? Oh, je ne sais plus, qu'est-ce qu'elle m'a raconté? Ah oui, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas de moi. Pas de toi? Oui, pour le ménage. Elle voulait pas que tu l'aides? Non, elle voulait pas de moi pour le faire, parce qu'elle avait dit à sa sœur qu'elle ne prenait personne. À sa sœur? Oui, qui s'appelle Josette, et que finalement, elle me gardait quand même. Ouais. Donc, oui. Mais qu'est-ce que tu racontes là? T'es sûre d'avoir tout compris? Oui. Oh, je ne sais plus, mais. Ah, si, c'est quand je lui ai dit que nous devions partir à l'hôpital qu'elle a bien connu qu'elle était la femme du ménage et qu'elle m'avait fait une blague. Une blague? Oui. Mais dis donc, j'en ai entendu des meilleures, moi. Moi aussi, hein. Ouais. Dis donc, pourtant, c'est bizarre parce qu'à la voir comme ça, on ne l'encrerait pas sortant des bêtises pareilles. Mais enfin, bon. Hein, de toute façon, si elle fait bien son travail, eh ben. Gardera. Oui. Ou alors on en changera une autre si elle fait mal son travail, n'est-ce pas? Tu sais, ça sera pas facile parce que le personnel maintenant. Mais justement, hein? Écoute, si elle travaille bien, eh ben on la laissera blaguer de temps en temps. Oui. Hein? Mais où est-elle? Ah ben elle est partie préparer les chambres. Déjà? Ben oui. Ah bon, elle n'est plus dans le parc? Mais non, puisqu'elle est partie préparer les chambres. Bon, écoute, moi je vais chercher la robe de la fille et puis après on fonce à l'hôpital. Jacques, je t'en prie, ne me laisse pas seule. Oh, écoute, mais calme-toi. Tiens, tu sais ce que tu devrais faire? En attendant, tu devrais prendre de ton calmant. Voilà. Mais Jacques, j'en ai déjà pris deux. Oh, non. Tu sais ce que tu as pris là? Non. C'est pas ton calmant, c'est ton somnifère. Oh, mon Dieu, c'est pour ça que je me sentais si fatiguée d'un coup. Et c'est peut-être pour ça que tu racontes n'importe quoi sur la bonne. Ah non, Jacques, je te jure que... Oui, bon, écoute, je te crois, mais alors, calme-toi deux minutes et moi je vais chercher la robe. Oh, Jacques, ne me laisse pas, je t'en prie. Mais non, mais écoute, de toute façon, si on ne va pas chercher la robe, on ne pourra pas partir à l'hôpital. Allez, hop. Oh, mais j'avais vu qu'il fallait pas la mettre, cette maison, mais je l'avais vu. Personne! Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai encore fait peur. Vous n'êtes pas dans les chambres? Dites, j'étais dans le parc. Comment je ferais pour être en même temps dans les chambres? C'est mon mari qui vous a vu. Ah bon? Eh bien, vous l'avez vu? Eh bien, parce que moi je cherche encore. Pas plus de mari que de squatteur. Mais comment vous savez qu'il m'a vu? Mais parce qu'il me l'a dit. Donc vous l'avez revu? Oui. Et où est-il maintenant? Ne me dites pas qu'il est retourné dans le parc. J'ai fait le tour de tous les arbres. Un chien ne ferait pas ce que je viens de faire. Où est-il? Il est dans la chambre. Ah bon? Ah ben ça va être plus facile. Et qu'est-ce qu'il fait là-haut? Il est parti chercher sa robe. Sa robe, votre mari? Bah oui. Autrement, on pourra pas partir à l'hôpital, hein? Ah bon? Alors sans sa robe, votre mari... Bah non, on pourra pas, que je vous dis. Oh. Il pourra pas. Non, il pourra pas. Oh ben dis donc, c'est le docteur qui va être surpris de le voir arriver comme ça. Le docteur? Ben oui, il est capable de vous garder tous les deux. Et c'est peut-être lui qui va garder encore le plus longtemps. Bon ben écoutez, je crois qu'il est grand temps que je vous emmène là. Où ça? Mais à l'hôpital. Oh, allez, non, non. C'est votre mari qui va être content de vous y retrouver. Oh mais non, il est... C'est ça, là-haut, en train d'enfiler une robe. Et pourquoi il serait pas à l'hôpital aussi, hein? Allez, venez. Mais qu'est-ce que vous avez à bailler comme ça? C'est les sommes. Les quelles sommes? C'est les somnifères. Oh là! Les somnifères? Oh non, mais c'est pas
Non, vous n'allez pas vous endormir ici, allez, ma petite dame. Combien avez-vous pris? Oh, je sais plus, je m'en rappelle plus. Oh non, mais c'est pas vrai. Écoutez, je vais vous faire un café très fort. Oh, ouvrez les yeux, là. Oui. Je vais vous faire un café très fort. Oui. Du pur arabica, fraîcheur garantie, emballage sous vide, et moulu en plus. Allez, détendez-vous, là, reposez-vous. Est-ce que vous avez trouvé le café? Oh! Voilà, écoute, j'en ai profité pour fouiller un petit peu leurs affaires. Oh. Il s'appelle... j'ai trouvé le portefeuille du garçon qui s'appelle... Dominique. Dominique, qu'est-ce qui t'arrive? Dominique! Café! Quoi? Non, café, la bonne! Qu'est-ce qu'elle a fait la bonne? J'en sais rien ce qu'elle a fait la bonne, moi. Dominique! Non! Café, la bonne, elle en fait. Oui, c'est bien. Elle a raison d'en faire, c'est parfait. Mais de toute façon, tu vas pas le boire là, ton café. Ah, si! Mais non, pas sur la moquette! Mais Dominique, réveille-toi! Allez, viens, je vais t'emmener dans la chambre. Allez, viens. Oui. Arabica, la bonne! Ah oui, elle s'appelle Arabica. Oui. C'est sûrement une étrangère. Allez, viens. Moulu! Oui, il n'y a pas qu'à elle. Moi aussi, je suis moulu. Ah, Arabica, la bonne! Oui, elle va venir. Moulu! Oui! Alors que c'est la première fois que je passe à Bobine et il ne m'a rien fait. Dites,
C'est quand le moment où vous allez me faire quelque chose? Non mais attendez là, attendez! C'est pas contre vous que j'en ai, moi! Alors si c'est pas contre moi, présentez-vous, parce que moi je ne parle pas aux Ostrogoths dont je ne connais même pas le nom. De Gouche, Maurice. De Gouche? Oh, dites donc, ça vous va très bien comme nom. Ah bon, et pourquoi? Ah, pour rien. À cause de la blouse, sans doute. Vous êtes dans la peinture. Dans la peinture? Dans la peinture, non, mais dites, je suis infirmier, moi. Ah bon? Et vous la gardez en dehors de vos heures de travail? Dites, je travaille là, moi, je travaille. J'ai un malade dans mon ambulance. Oh! Vous avez un malade dans votre voiture? Eh oui. Oh ben le pauvre, alors là il va s'inquiéter, hein. Je m'en fous, je m'en fous. Où elle est là? Où elle est? Dites, monsieur Decouche, est-ce que vous voyez une valise ici? Une valise? Ben non, non, je ne vois pas de valise. Bon, parce que mes valises, je n'ai pas eu encore le temps de les descendre de ma voiture. Et tout ça à cause de votre femme, alors qu'il y a une demi-heure, je la connaissais même pas. Dites, vous n'êtes pas sa copine? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de copine, hein? Eh ben voilà, oh mon Dieu, tous les 6 mois, elle me le fait le coup. Elle quitte la maison en me laissant juste un petit mot. Cherche pas à me retrouver, je suis chez une copine. Alors moi, tout bêtement, j'ai pensé que la copine, c'était vous, voilà. Eh ben non, ce n'est pas moi la copine. Dites, elle vous a quand même bien parlé de moi, là. Ah, ça, pour me parler de vous, ça. Elle m'a parlé de vous. Elle m'a envoyé vous chercher dans le parc. Où paraît-il, vous étiez en train de courir après une fille nue sur un scooter. Quoi? Et elle m'a même dit que vous ne vouliez pas partir à l'hôpital sans avoir enfilé votre robe. Quoi, qu'est-ce que vous dites, là? Ah, non, non, mais rassurez-vous. Alors, moi, devinez, moi, j'ai pensé que vous étiez un petit peu, vous voyez, hein? Non. Non, non. Un petit peu, quoi? Ah, mais calmez-vous, vous savez, ça arrive, ces choses-là, même dans les couples les plus unis. Quoi? Non, mais rassurez-vous, alors là, vous, on voit tout de suite que c'est pas le cas. Vous, on voit tout de suite que vous êtes un homme, hein, un viril et tout, et tout, et tout, tout ce que vous voulez. Où elle est? Où elle est? C'est pas un langage de minet, ça. Ah, ça y est, j'ai compris. C'est votre blouse. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a, ma blouse, là? Eh bien, pour votre femme, c'est pas une blouse, c'est une robe. Oh! Elle est folle, là, elle est folle, là! Elle est folle! Ben, c'est pas moi qui l'ai dit la première. Hein? Dites, vous êtes vraiment seule ici? Ah oui, avec votre folle. Avec votre femme. C'est pas un portefeuille de femme, ça. Ah bon? Non. Non, c'est un portefeuille d'homme. Ah bon? Et alors? Et alors? Il y a un homme ici automatique. Oh ben dites donc, c'est Colombo, mes enfants. Et ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, mais j'ai pas mes jumelles. C'est la preuve. Agence Fauchin. Toute transaction immobilière, achat, vente, location. Oh mon Dieu. Ah mon Dieu. Ça ne fait pas 3 mois qu'elle travaille là. Je comprends maintenant. Oh là, je comprends. Pourquoi elle ne voulait pas que j'aille la chercher au travail. Et qu'elle me demandait même de l'attendre dans le café d'en face. Elle ne voulait pas que je la rencontre, son patron. Oh mon Dieu. Mais on va se rencontrer, c'est moi qui vous le dis, et pas plus tard que tout de suite, parce qu'il est ici, et que je vais lui faire sa fête, et qu'il va même payer pour les autres. Dites, où ils sont, là, où ils sont, hein? Ça recommence? Eh ben dites donc, c'est pas deux couches, vous, que vous tenez, c'est tout le pot, le pinceau avec. Si vous croyez qu'il y a un homme ici, eh bien cherchez-le vous-même. Mais je vous préviens, si vous n'avez pas quitté cette maison dans les 5 minutes, le temps que j'aille à ma voiture chercher mes valises, c'est l'estafette des gendarmes qui va se garer derrière votre ambulance. Vous avez compris, monsieur Decouche? Et bien c'est ça! Appelez-les, les gendarmes! Le temps qu'ils arrivent, j'ai tout le temps de lui faire sa fête au propriétaire du portefeuille. Parce qu'il est ici! Et que je vais lui faire sa fête et que je vais retourner tout votre baraque. Merde! Et grossière en plus de ça!
parce qu'il est ici et que je vais le retrouver et que je vais lui... Non mais dites donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Qui êtes-vous là? Ah! Ah! Qu'est-ce que je disais? Elle a bien failli m'avoir, l'autre andouille là. Pardon? Alors, on préfère se montrer avant que je ne casse tout? On veut peut-être essayer d'arranger les choses à l'amiable? Arranger les choses, mais quelles choses? Ça suffit, taisez-vous! Où elle est, là, hein? Où elle est? Qui ça? Mais non, mais taisez-vous, attendez! Votre chère secrétaire... Ma secrétaire? Oui, vous avez bien de secrétaire, ça vous l'avez pas le nier quand même, hein? Non, mais bien sûr, mais... Non, mais attendez, mais qui êtes-vous? Et ça dure depuis quand? Mais taisez-vous, attendez! Oh! Ma petite histoire avec elle, hein? Depuis quand ça dure? Mais taisez-vous, ma femme est là, si jamais elle apprend... Parce qu'en plus, ça se passe devant votre femme... Eh bien, vous ne manquez pas d'air, vous, hein, dites. Où elle est, là? Écoutez, si vous êtes son père, moi, je vais vous expliquer. Son père? Son père? Non, mais dites. Il se moque de moi, en plus. Parce que vous n'êtes pas son père. Mais non, je suis son mari, vous le savez très bien. Voilà. Non, attendez, mais elle n'est pas mariée, alors. Ah, vous voulez me faire croire? Non. Il veut me faire croire, maintenant, qu'elle lui a fait le coup du célibat. Non, mais dites. Non, mais attendez, mais je suis sûr que Cécile... Quelle Cécile? Ah, mais parlez plus bas, nom d'un chien. Allons. Je vous dis que Cécile... Quelle Cécile? Moi, je vous parle de Juliette. Juliette? Eh oui, je l'ai vue il n'y a pas 5 minutes, là. Elle s'est sauvée quand elle m'a aperçu. Et moi, si je n'avais pas vu votre portefeuille... Mais c'est pas mon portefeuille, ça, mon vieux. Arrêtez de délirer, hein. Maintenant, je délire. Non seulement il me pique ma femme, mais en plus, il me traite de cinglé. Non, me dit, ça commence à bien faire. Ah, mais... Qui va me dire, voilà, ah, mais arrêtez. Sinon, je t'écrase. Ah, mais arrêtez, mais... Ah, mais sans vous, dites donc. Ah, mais dites donc, vous seriez peut-être plus là, hein? C'est pas vrai, ce qui m'arrive, c'est la deuxième fois. La deuxième fois? Oui, ici, exactement, au même endroit tout à l'heure, je me suis déjà fait attaquer. Hein. Oh, bah, dites donc, ici? Oui, oui, exactement au même endroit. Attention, j'avais 203. Ah. Mais qu'est-ce que vous faisiez ici? Comment ce que je faisais ici? Mais bébé, je suis chez moi, non? Oh, excusez-moi, vous êtes le propriétaire? Mais non, le locataire. Ça va pas recommencer, non? Et pourquoi c'est pas possible? Mais parce que c'est moi! Quoi? Non, non, attendez! Qui êtes-vous? Eh bien, je suis... Vous ne me... Je suis la locataire, voilà! Mais attendez, mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Mais c'est insensé, quand même! Attendez, oh, on... mais vous avez dû vous tromper de maison, vous savez? Les deux villas à côté se ressemblent énormément! Bon, écoutez, alors là, ça m'étonnerait, parce que moi, je suis venu ici l'année dernière. J'ai passé 8 jours dans cette maison, invité par des amis qui l'avaient louée. Cette année, nous avons décidé de partager le prix de la location. Je ne suis pas fou quand même. Eh bien, moi non plus. C'est ma sœur qui l'a loué pour moi. Elle habite à Nice avec ma fille. Elles vont arriver d'un instant à l'autre et vous le confirmeront. Oui. Mais alors, vous, c'est la première fois que vous voyez cette maison. Ah, moi, oui, mais pas ma sœur. Eh bien, voilà. Alors, c'est vous qui vous trompez. Allez voir à côté. C'est pas la villa La Sinécure, ici? Pardon, mais si. Alors, vous avez déjà vu, vous deux villas côte à côte qui portent le même nom? Bon, alors écoutez, il va falloir qu'on éclaircisse ce problème, parce que ça commence à faire beaucoup quand même, hein? Non, écoutez, franchement, ce fou, le squatter, la fille nue, non, attendez. Il y avait vraiment une fille nue? Ah ben oui, une fille nue dans les chambres tout à l'heure, eh oui. Elle est là-haut? Ah non, 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 maintenant elle est dans le parc. Et d'ailleurs, j'ai voulu la ramener ici, mais alors au moment où elle vous a vu... Elle m'a supplié de la cacher pour ne pas que vous l'aperceviez. Ah bon? Et pourquoi avait-elle peur de moi? Oh, ça, écoutez, ça, j'en sais rien. Oh. Et le squatter, c'est vrai aussi? Ah ben oui, c'est son amant. Eh ben, c'est d'ailleurs lui qui m'a attaqué tout à l'heure, alors... Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a que sa femme tout à l'heure. Elle m'a tout raconté. Eh bien, moi, j'ai cru qu'elle était folle.
Parce que sa femme est vraiment là. Oui. Et si c'est vous l'amant, vous auriez intérêt à déguerpir avant qu'il ne se réveille. Non, mais attendez, attendez. Moi, je ne connais pas ce type. Et d'abord, moi, je suis venu ici avec la mienne, alors. Votre femme est ici, à vous? Mais parfaitement. Elle dort dans la chambre. Là, elle se repose. Oh, attendez, attendez, vous permettez, là? Non, attendez, qu'est-ce qu'il y a, là? Non, attendez, attendez. Un instant, vous permettez. J'ai dû rater un épisode. Moi, c'est pas possible. C'est à vous, ça? Pardon? La dame qui dort, là, c'est votre femme? Oui. Eh bien, lui, il m'a dit que c'était la sienne. Mais attendez, mais il est fou, attendez. Il est fou, ce type. Mais non, c'était un infirmier, son ambulance est dehors. Oui, mais c'est peut-être un fou qui s'est déguisé en infirmier pour mieux s'échapper. Voilà. Oh là là, alors là, appelez les gendarmes. De plus, ils nous aideront à démêler notre histoire, parce que je vous préviens, il n'est pas question que je quitte cette maison. Eh bien, moi non plus. Parce bon. Que moi, je suis chez moi, ici. Et moi aussi. Bon, eh bien, écoutez, appelez la police et reprenez votre portefeuille. Ah, mais ce n'est pas mon portefeuille, ça. Ce n'est pas mon portefeuille. Ah bon? Non. Et à qui il est? Mais je... Ben, écoutez, il est au squatter. Je lui ai promis de le lui rendre lorsqu'il m'aurait dit ce qu'il faisait ici avec la fille. Comment s'appelle-t-il? Arnaud Fauchin. Fauchin, Fauchin. Mais qui m'a parlé d'un Fauchin? Ah, mais c'est le fou qui m'a parlé d'un Fauchin tout à l'heure. Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe là? Vous savez qui c'est cette fille? Oui. C'est la fille nue qui était dans la chambre tout à l'heure. Non, c'est la mienne. Pardon? C'est la fille, ma fille! Ma petite fille! Attendez, vous êtes sûre? Oh, ben comment si j'en suis sûre? J'en ai pas 40! Oh mon Dieu! Et qu'est-ce qu'elle a marqué? Qu'est-ce qu'il y a de marqué ici? Arnaud chéri, à toi pour la vie. Mais elle est folle! Mais qui est ce type? Mais je vous l'ai dit, c'est le squatteur! Allons! Et c'est elle qui se promenait toute nue dans le parc? Oui. Eh bien non, parce qu'elle est en Angleterre! Oh, la petite garce, elle n'est pas en Angleterre. Ah, je comprends maintenant pourquoi elle avait peur de moi. Et elle n'avait pas tort, parce que là, ça m'a chauffé pour elle. Vous, appelez les gendarmes. Et maintenant, à nous deux, ma petite fille. Allez, viens, c'est bon, elle est partie. Restez ici, vous. Hey, pourquoi vous ne m'avez pas dit que c'était votre grand-mère tout à l'heure? Comment le savez-vous? Quoi? Que c'est Myriam, là, comment le sait-elle? Mais parce qu'elle me l'a dit, voilà. Mais arrêtez, mais elle peut pas le savoir, elle l'a pas encore vue. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Elle a vu ma photo? Eh oui, fallait pas lui la montrer. Mais non, fallait pas. Putain, mais attendez, mais ce n'est pas moi. Elle a ouvert le portefeuille croyant que c'était le mien, voilà. Ah non, on peut pas rester ici. Attendez, hey, n'allez pas vous cacher éternellement, hein. Il va bien falloir à un moment, là, la voir, il va falloir lui parler, là. Le plus tard possible, elle est terrible quand elle est en colère. Attendez, on va arranger la chose. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez monter dans votre chambre. Et vous attendez que je vous appelle, d'accord? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Ah, oh, mais je vais essayer de la calmer, voilà, je vais lui raconter. Mais surtout, vous attendez que je vous appelle, d'accord? Mais... Ah, mais il n'y a pas de mais, alors, j'ai pas que ça à faire, moi. Faut que j'aille à l'hôpital, moi, hein. Bon, oh. Bon, alors, le fou est là. C'est bon. Alors, la grand-mère, dans le parc, les enfants, qu'est-ce qu'ils font les enfants? C'est con, ils sont partis. Bon, j'oublie quelque chose, moi. Ah, Dominique! Dominique! C'est bon, viens! Juliette, je t'ai vu. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Je les ai vus, ils sont là. Mais qui ça? La femme et son amant. Ah bon? Alors c'est plus moi l'amant? Non mais dis, non mais t'as vu ta tronche et toi? Dis donc, c'est vraiment pas la sinécure ici, hein. Ma bagnole, nom de Dieu, il vole ma bagnole! Attends pas bien, j'ai mon ambulance et je vais les coincer. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est tirée la garce, elle s'est tirée. Myriam! Mais non, pas Myriam. Je me fous de Myriam, moi. Oh, mais pas moi, mais où est-elle? Oh putain, ils sont partis avec. Ah, avec Myriam? Mais non, mais je m'en fous, moi, de Myriam. Ils viennent de voler ma voiture, alors. Et vous êtes sûr que Myriam n'était pas dedans? Mais non, d'après l'infirmier, il y avait sa femme, son amant... Et d'où sortait-il?
Mais j'en sais rien, moi j'étais dans la chambre avec ma femme. Faut appeler la police. Ah non, non, les histoires de famille, ça se règle en famille. Ah, c'est possible, ils viennent de voler ma voiture, hein. Et voilà, Myriam a disparu et lui, à quoi il songe? À sa voiture. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Moi? Ben, à qui je parle, à vous? Mais c'est vrai, je connais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon? J'en sais rien, moi. Allô? Allô, alors, mais qu'est-ce qui fabrique, là? Et ne me dites pas que vous aussi, vous avez loué cette maison. Mais non, non. Non, parce que s'il y en a un qui s'en va, qui arrive au moment où un autre s'en va, on s'en sortira jamais. Allô? Allô, allô? Allô, allô, ce qui m'énerve, celui-là avec sa voiture. Alors, qui êtes-vous? Arnaud. Arnaud qui? Arnaud quoi? Bien, Arnaud Fauchin. Encore un Fauchin, mais y'a un nid. Allô? Allô? Pas le Fauchin du portefeuille. Eh bien si... Ah, je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Mais attendez, là-haut. Comment? Je dois attendre alors qu'il a violé ma Myriam? Mais non, il ne l'a pas violé, allons. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Non, mais attendez, réfléchissez deux minutes. On ne donne pas sa photo en disant « À toi, Arnaud, pour la vie » à un violeur, quand même. Réfléchissez deux minutes, hein. C'est vrai. Ou alors il faut vraiment avoir aimé ça. Oh. Qu'est-ce que vous faites, vous, ici, avec Myriam? Et sa mère? Elle est au courant, sa mère? Et pourquoi elle n'est pas en Angleterre, Myriam? Et sa mère, pourquoi elle n'est pas là? Et pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Mais répondez! Il a coupé le son, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il dit qu'il croyait que la maison était vide. Et comme il ne savait pas où dormir, eh bien... Parce que vous croyez qu'il ne faut que dormir? Non mais regardez-le, il n'a même pas eu le temps de se rhabiller. Rhabillez-vous! Quel âge avez-vous? J'ai 22 ans. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il a 22 ans. Et vous le croyez? Oh ben ma foi, il ne fait pas plus, hein. Mais je m'en fous de son âge! Je me demande si vous croyez que c'est possible que ma petite Myriam quitte ses poupées pour aller dormir avec ce babouin qui a l'âge de son père! Oh non, quand même! Oh non! Oh, vous êtes d'accord? Non, écoutez, je veux dire que. Ils ont largement. L'âge de dormir ensemble, quand même, hein. Et pourquoi ici, hein? Pourquoi ici? Ah ben oui! Ah ben voilà, c'est ça! Eh ben, alors pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est mon père qui s'occupe de. Plus fort, on ne va pas passer par un interprète toute la journée. Alors, pourquoi? Parce que c'est mon père qui s'occupe de la louer. Quoi? Non, attendez, oh, oh, c'est votre père, le directeur de l'agence Fauchin? Bah oui. Alors donc, c'est à votre père que mes amis ont loué? Et ma sœur aussi! Mais non, là, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que cette année, elle n'était pas à louer. Donc, qu'est-ce qu'il dit, là? Il dit que cette année, la maison n'est pas louée, son père l'a louée deux fois. Mais non! Mais si! Allez hop, les gendarmes! Vous vous expliquerez avec eux pour ça, et pour détournement de mineurs. Allô? Mais je vous ai pas encore appelé, vous! C'est la gendarmerie! Ah oui, oui, mais c'est pour ma voiture! Ah oui, non, mais non, non, mais c'est lui pour sa voiture! Mais je suis sûr que c'est vrai! Mais qu'est-ce qui est vrai? Un escroc! Eh bien, l'autre jour, j'étais dans le bureau de mon père, quand le propriétaire, M. Delonnel, lui a téléphoné. Et lui a bien dit que cette année, il ne voulait pas la louer. Parce qu'il l'avait mise en vente. Et elle est vendue? Allô? Mais non! Mais non, pas la voiture, la maison, voyons! Oh! Mais il est sourd, celui-là! Et à qui? Mais j'en sais rien. Il n'en sait rien, non, mais on croit rêver! Pardon? Oh, mais écoutez, faut suivre! Et Myriam, où est-elle? C'est sauvé, elle a eu peur de vous. Quoi? Peur de moi? Non mais vous l'entendez là? Myriam, ma petite fille, peur de moi. Peur de moi et ma petite fille que j'adore et qui m'adore. Oh non, c'est pas possible. Quoi? Vous pouvez répéter là ce que vous venez de dire? Avec une grand-mère pareille, ça ne vous étonne pas? Chez nous.
Parce que ma sœur travaille chez vous. Ah oui, et à mi-temps, elle fait un peu de comptabilité pour mon père. Ça fait 5 ans qu'elle a pris sa retraite et elle ne peut pas s'arrêter. C'est sans doute pour ça aussi qu'elle n'est pas encore arrivée maintenant. Ah, c'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui qui ne pensent qu'à séduire les filles. Au lieu que de travailler, feignons. Ah, arrêtez, je travaille. Ah oui, vous faites quoi? Ben, je fais archi. Archi? Ben, c'est ce que je viens de dire, archi feignons. Étudiant en architecture, madame. Étudiant en architecture? Oh, ben ça c'est bien, vous. Oh, ça, ça me plaît beaucoup. Étudiant en architecture. Non, mais c'est très bien. Ah, hein. Oh, c'est parfait. Oh. C'est le métier dont je rêvais pour ma fille. Ah bon? Oui, parce que moi je n'avais pas pu le faire. Mais elle, c'est idiote. À quoi elle songe? À chanter. À chanter? Oui. C'est pour ça qu'elle vit à Nice. Elle a une petite orchestre. Et elle fait tous les bals de la région. Remarquez, c'est sympa aussi, c'est très bien. Mais enfin, franchement, ça ne vaut pas architecte, vous ne trouvez pas. C'est-à-dire, c'est différent, quoi. Hein. Voilà, voilà. Bon, alors, étant donné que vous êtes architecte... Mais pas encore. Comment pas encore? Non, il vous l'a dit, là, il étudie. Pour devenir architecte? Mais oui. Eh bien, il le sera, c'est moi qui vous le dis. Parce qu'à partir de maintenant, je surveille les études. Vous entendez, jeune homme, je surveille. Je veux un gendre architecte. J'aurai un gendre architecte. Un gendre? Ben oui, puisqu'il va épouser Myriam, il va devenir le gendre de ma fille, donc le mien. Eh bien, vous voyez, tout est réglé. Qu'est-ce qu'il y a? Non, vous ne trouvez pas que vous allez un tout petit peu vite, là? Parce qu'il n'a pas été vite, lui. Oui, bien sûr. Enfin, hey, de là à fonder une famille, quand même. Mais qui vous parle de famille? Alors, écoutez, s'ils ont des enfants... Des enfants? Non mais vous n'y pensez pas, ma petite Myriam, avoir des enfants alors que c'est encore un vrai bébé. Les enfants, ça sera pour plus tard. Non. Quand il aura fini ses études. Non mémé. Si, ma petite fille. Et qu'il aura construit sa maison. Pourquoi non? Parce que j'en attends un. Oh. 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 Non, allez, attendez. Il faut l'asseoir là, parce que... Vous avez dit Sidou? Mais c'est son nom. Oh. Agathe! Ah, quand même! Vous vous connaissez? Oh, depuis la guerre d'Algérie. C'était en quelle année? Oh, non, mais dis, ça te regarde pas, est-ce que je te demande ton âge à toi? Allez, va t'allonger, ma chérie, va t'allonger. M'allonger? Oui. Pas avec lui, là. Pour l'enfant. Ne commence pas à le fatiguer, ce petit. Mais, c'est tout récent. Je le sais depuis seulement 8 jours. Eh bien, justement, la première semaine, il faut faire très attention. Ah bon? C'est la plus dangereuse. Allez, va t'allonger, ma chérie. Va t'allonger, ne discute pas. Oh, Jacques, je vous en prie, dites-leur de nous foutre la paix. Oui, bien sûr, oui. Attends, vous pouvez nous laisser seuls quelques instants. Avec plaisir, ouais. Alors, vous voyez que ça s'arrange. Allez. Merci. Oui, allez-y. Bien. Oui, mais doucement, attention. Dites donc, mais hé, c'est incroyable, quand m'avez-vous reconnu? Oh, presque tout de suite. Vous n'avez pas beaucoup changé, hein? Oh, vous non plus. Ah oui, c'est pour ça qu'il vous a fallu au moins 1 heure avant de me reconnaître. Non, mais... Vous aviez peur d'avoir affaire à un sosie, sans doute. Voilà, c'est ça. Eh bien, moi aussi. Et de quoi aurais-je eu l'air si vous n'aviez gardé aucun souvenir de moi? Mais voyons, mais comment aurais-je pu vous oublier? Non, mais franchement... Comment pouvais-je savoir, lieutenant Pertuis? Ah, capitaine! Je suis maintenant capitaine de réserve. Oh là là, il s'en passe des choses en 40 ans! Attendez, 40 ans déjà? Ah bah oui, ne comptez pas, ça fait 40. Vous aviez 20 ans et moi presque 28. Oh, du tout, alors là, franchement, vous ne les paraissiez pas. Ah bon? Ah non, écoutez, ça je vous jure, tous mes amis vous en donnaient 18. Oh, ben bah dites donc, faites-les revenir parce que ça, c'est très bon pour le moral. Oh, dites donc. Et alors, comme ça, vous ne m'avez pas oublié? Non. Et pourtant, vous l'auriez bien mérité. Comment ça? Comment ça? Il me demande pourquoi. Pas une seule lettre en 40 ans, ne serait-ce que pour me dire qu'il est bien rentré. Oui, vous n'avez pas trouvé d'enveloppe, peut-être? Mais non, mais... Oh, taisez-vous, vous aviez une petite fiancée qui vous attendait. Ah oui. Ouais. Vous m'aviez montré sa photo, vous vous souvenez? Ah non. Oh, ben moi, je m'en souviens très bien. Oh, elle était charmante, oh, vraiment oui. Charmante. Oh oui. Dites, rassurez-moi, c'est pas celle-là, hein?
Ah non, 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 non. Ah bon, parce que je me disais, qu'est-ce qu'elle a changé? Oh! Oh, oh non, non, je plaisante, je plaisante. N'empêche que moi, je préférais l'autre. Oh, elle était beaucoup plus... Enfin, elle était moins... Oui, enfin, c'est-à-dire, elle était plus jeune, quoi. Voilà, voilà. Ah, sacré Jacques! Qu'est-ce qu'on s'est bien amusé tous les deux, hein? Oui, tu te souviens? Eh oui! Oh, pardon, vous vous souvenez? On va pas se vous voyer maintenant, hein? C'est vrai, on peut se dire tu! Mais oui! Comme la badie! Mais oui! Qu'est-ce que tu ferais? Ben, je te regarde. Mais non, mais comme métier, voyons! Ah oui, oh, excuse-moi, le fait de te rue. Je suis avocat, figure-toi. Ah! Avocat! Non, attends, attends, ça te fait rire que je sois avocat? Ah oui! Tu ne bégayes plus! Ah, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais bégayé, moi. Ah, mais si, rappelle-toi! Non, enfin, rappelle-toi! La première fois que mon père t'a surpris à la maison. Qu'est-ce que vous foutez là, lieutenant Pertuis? Tu bégayais, je... Ouais, non, mais bien sûr, forcément. Ton père, c'était mon commandant. Et tu m'avais dit que tes parents étaient partis au cinéma à Alger. Alors... Mais c'était vrai, seulement il y a eu une alerte à la bombe et ils sont revenus précipitamment. Résultat, je me suis retrouvé au garde-à-vous, comme un imbécile, en caleçon devant toi. Non, mais attends. Ah, je t'ai bien, tu sais, quand tu étais au garde-à-vous devant moi et mon papa. Dis donc, qu'est-ce que j'ai bien pu lui dire? Ah, mais rien, mais rien, rien, t'en sentais pas eu. Excusez-moi, mon coco, mon coco, mon coco, mon coco. T'en sentais pas eu. Tu te rappelles pas, c'est moi qui suis venue à ton secours. C'est moi, papa, il y a eu une panne de lumière dans le bâtiment et j'ai appelé le lieutenant qui passait dans la cour. Et ton père me dit, et alors, père-fils, la lumière est revenue, alors qu'est-ce que vous foutez là? Et toi? Oui, mon coco, elle est là, la lumière. Mon coco, la lumière, la lumière. Ah oui, je me souviens maintenant. Oh, dis donc, et qu'est-ce qui te vient? Papa? Oui. Il se repose? Oh, c'est bien ça, où ça? Entre son père et sa mère. Oh, ben, faut... hey, c'est sympa de le refaire, ça. Ah oui, Oh ben, tu non, sais... excuse-moi, excuse-moi, parce que je ne l'avais pas su, alors... Oh ben, tu sais, il est mort, il avait 90 ans, hein, et puis il a bien vécu, papa. Oh oui, dis donc, comme bout en train. Ouais, s'il avait pu se tenir un petit peu tranquille. Comment ça? Ah ben, il était un petit peu trop Algérie française, tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Ah oui, alors là, il a été cassé, et ça, ça l'a brisé. Oh, elle a été longue, sa retraite, pauvre papa. Il est bien où il est, maintenant. Tu sais que j'aimais bien ton père. Oh, oh ben, moi donc. Oh là là. Mais écoute, on va quand même pas pleurer le jour où on se retrouve. Jacques, le jour de mon anniversaire. C'est le jour de ton anniversaire? Non, c'est demain, mais c'est pareil. Oh, écoute, on va faire un grand méchoui pour fêter ça. Et tu seras là. Mais bien sûr que je serai là. Ah, mais et pourquoi voudrais-tu que je ne sois pas là, hein? Mais tu vas rester. Mais bien sûr, puisque je suis chez moi, allons. Ah, mais non, c'est moi. Oui, oui, enfin, c'est chez moi, hein. Mais non, c'est chez moi. Non, mais de toute façon, on ne fera pas ça ici, on fera ça autour de la piscine. Ah bon? Oui? Ah bon? Oui? Oui, 40 personnes, on sera au moins 40. 40? Oui. Ah non, mais attends, il n'est pas question que je reçoive 40 personnes ici. Mais moi. Ce n'est pas toi qui les reçois, puisque c'est moi. Mais je suis chez moi. Non, c'est moi. Tu peux le prouver? Et toi? Oui, moi je fonce à l'hôpital et je te ramène le contrat de location. Et moi, ma sœur va m'apporter le mien. Ah bon? Mais je serais curieux de voir ça. Hein? Oh ben écoute... Tu vas voir, ça va être rapide. Ouais. Mais je te préviens, si tu ne restes pas pour mon anniversaire, tu resteras pas 40 ans sans voir, hein? Ouais, d'accord. Mais enfin, moi, je vais te dire une chose de toute façon. Demain, c'est pas possible. Parce que j'ai un dîner très important avec mon associé. Ah? Nous recevons 4 clients américains qui ont décidé de nous confier toutes leurs affaires en Europe. Je vais donc les chercher à l'aéroport. Et je ne vais quand même pas les coller dans ton méchoui, là, non. Mais dis donc, mais qu'est-ce qu'il a, mon méchoui? Il n'aime pas ça, tes Américains? Mais j'en sais rien, moi. Oh, ben écoute, on leur mettra des hamburgers. Non, mais de toute façon, ma femme... Qu'est-ce qu'elle a? Elle est végétarienne? Ah, écoute, Agathe, ça suffit, hein. Oh, mais non, Jacques. Écoute, on va quand même pas se fâcher. Pas aujourd'hui, Jacques. On verra ça plus tard. Écoute, ça serait trop bête aujourd'hui. Le quand? Jour où on se retrouve. Quand, mais plus tard. Et quand? Mais je ne sais pas, moi, plus tard. On aura tout le temps de s'engueuler plus tard. Mais pas aujourd'hui, Jacques. Pas aujourd'hui. Le jour où j'apprends que je vais être arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère? Ben oui, Myriam qui attend un bébé. Je vais être arrière-grand-mère. Ouais, attends, attends. Non. Alors là,
D'accord, mais alors ne mélangeons pas tout. Oh si, mélangeons, Jacques. On se retrouve. C'est mon anniversaire. Les Américains, les hamburgers, mon arrière-petit-fils, parce que ça c'est un garçon, j'en suis sûre. Ta femme, végétarienne, ta voiture volée, ma sœur qui va arriver et qui va s'évanouir quand elle va savoir que tu es là. Ma fille Brigitte qui va venir faire des baises. Tu vas voir, elle est charmante. Tes amis à l'hôpital. Et Maurice avec son ambulance. Non mais écoute, c'est formidable. Agathe, c'est de la démence. Hein. Mais non, mais c'est formidable, Jacques. Jacques, ça fait 40 ans qu'on ne s'est pas vu et tu ne m'as pas encore embrassé. Tu ne veux pas? C'est vrai. Mais si, bien sûr. Eh ben alors? Eh ben viens. Eh ben allez. Oh, Jacques, c'est merveilleux. Dominique. Réveille-toi, Dominique. Qu'est-ce qui t'arrive, Dominique? Espèce de salaud, hein? Quoi? Je savais, j'en étais sûre. Je l'avais vu dans les cartes. Salaud, hein? Espèce de salaud. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais calme-toi, voyons. Me calmer après ce que je viens de voir? Mais qu'est-ce que tu as vu, allons? Et tu n'étais pas en train d'embrasser la femme de ménage, peut-être? La femme de ménage? Inutile de nier. Je vous ai vu et je sais que ça dure depuis 3 ans. Je l'avais vu dans les cartes, je te dis. Salaud. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais la vérité, tu le sais très bien. Et ça fait 3 ans que ça dure. Et ah non! Salaud! Ah non, ça fait 40 ans. 40 ans, mais c'est vrai, hein? Mais il se fiche de moi, non plus. Ah non! Non, mais calme-toi, écoute, je vais t'expliquer. Non, non, non. M'expliquer, je ne veux plus rien entendre, dis-je pas le camp. Mais t'as entendu dominer. Non, je ne veux plus rien entendre. Je ne sortirai d'ici que lorsque tu auras quitté cette pièce, afin que je puisse reprendre mes bagages et partir. Je ne veux plus jamais te revoir, jamais. Attends, mais Dominique. Jamais. Mais attends, Dominique. Oh. Et c'est pas un peu jalouse? Attends, mais c'est épouvantable, ça. Allons. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Trouver un bon avocat. Oh non. Oh non, écoute, arrête tes plaisanteries. Hein. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que cette histoire de femme de ménage? Eh bien, écoute, tout à l'heure, quand elle m'a rencontrée, elle a cru que c'était moi. La femme de ménage? Oui. Alors moi, comme je la croyais vraiment très dérangée, hein, alors j'ai pas voulu la contrarier. Hein. Mais attends, mais où est-elle? Mais faut lui expliquer, là. Ben, dis, elle est là. Mais non, la femme de ménage. Hein, elle était en train de préparer les chambres tout à l'heure. Ah bon, tu l'as vue? Mais oui, ici, dans cette même pièce, pas toi. Ah non? Oh ben tu sais, dès qu'on s'absente un petit peu, il se passe beaucoup de choses ici. Attends, mais faut la chercher là! Où elle est? Vous ne la trouverez pas! Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites encore ici, vous, hein? Et pourquoi on la trouvera pas? Parce que c'est ma femme! La femme de ménage? Mais non, elle n'est pas femme de ménage! Elle est secrétaire chez Fonchin. Et alors qu'est-ce qu'elle faisait ici? Elle apportait des vêtements à son frère, voilà. À son frère? Eh oui, je m'étais trompé! C'était pas son amant! C'était son frère, voilà. Il se planquait ici depuis 8 jours. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'il est en cavale. Oh, en cavale? Eh oui, eh oui. Il s'est évadé des bons maîtres il y a 1 semaine. Et comme sa sœur avait entendu dire que la maison ne serait pas louée cette année, eh bien, elle le planquait ici. Oh, eh oui. Dites donc, c'est un gangster. Oh, un gangster, dites. C'est un bien grand mot, ça, non. Moi, je dirais... un petit truand de rien du tout. Seulement voilà. C'est son frère. Et en plus, elle l'adore. Alors, tout à l'heure, quand je l'ai poursuivi avec ma voiture, les gendarmes, pas cons, ils savaient bien qu'ils l'auraient cherché à la retrouver. Et quand je l'ai poursuivi, ils m'ont doublé. Et ils les ont coincés. Voilà. Et maintenant, ils veulent vous voir. Qui ça? Ben les gendarmes. Attendez, qu'est-ce que j'ai à voir dans cette histoire, moi? Mais pour votre voiture, pardi. Ah oui, ma voiture, où est-elle?
Ben, la gendarmerie, ils vous attendent. Alors moi, je me suis permis de leur dire que je vous connaissais très bien. Et c'est pour ça que je suis revenu vous le dire. Et aussi, m'excuser de ce que je vous ai fait tout à l'heure. Là. Ah oui, oui. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Eh ben, mais vas-y. Ah ouais, attends, je peux pas partir comme ça sans lui parler. Oh non, alors là, écoute, crois-moi, c'est trop tôt, hein. Non. Si. Hein? Oh, vous allez voir, non, Jules. Non. Je vais lui parler. Dominique! Merde! C'est trop tôt! Là, c'est... Oui, c'est trop tôt, oui. Je peux quand même pas partir sans lui parler, alors... Mais si, vas-y, je vais le faire. Toi? Oui, mais oui. Dès que tu seras partie, elle va sortir de là et on va s'expliquer toutes les deux. Mais tu oui, crois? Mais bien sûr. Bon. Allez, file. Bon, ben j'y vais, oui. Ah, ben oui, j'ai pas de voiture, moi. Oh, mais prends la mienne, les clés sont toujours dessus. Bon, d'accord, je te laisse avec elle, je vais revenir tout à l'heure. Tu ne quittes pas, tu restes ici, hein. Mais où veux-tu que j'aille? Je suis ici chez moi, tu sais. Mais non, je suis chez moi, allons. Mais non. Mais, bon, écoute, je fonce à l'hôpital et je te ramène le contrat de location, d'accord? Voilà, et ma sœur va m'apporter le mien, ça nous fera de la lecture. Écoute, que tout te fasse rire, moi, ça me dépasse. Hein. Ah, écoute, je vais t'avouer quelque chose, j'ai toujours eu peur de m'ennuyer en vacances. Eh ben, écoute, là, pas du tout, je m'amuse comme une folle. Oui, ben, moi, pas du tout. Ah bon? Mais non, Dominique enfermé dans la cuisine. Allons, ma voiture à la gendarmerie, mes amis à l'hôpital. Toi qui te prétends chez toi ici. Non, je t'avoue que ça ne m'amuse pas du tout. On reconnaît qu'on ne s'embête pas. Forcément, on n'a pas le temps. Alors... Non, et puis Jacques, on s'est retrouvés. Oui. Jacques. Bien sûr, mais j'aurais préféré que ce soit en d'autres circonstances. Allez. Mais tout va s'arranger, ne te tracasse pas. Tiens, tu as déjà retrouvé ta voiture. Oui. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Oui, bon, d'accord, oui. Bon, écoute, je te laisse avec elle et je reviens vite fait, d'accord? Oui, voilà, c'est à ça. À tout à l'heure. Oh, Jacques! Quoi? Fais attention de ne pas avoir un accident. Je voudrais pas te perdre le jour où je te retrouve. Ça me fait pas rire du tout, hein. Il rira encore moins quand il verra sa voiture. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a? Elle est encastrée dans le mur du vieux cimetière. Moi, j'ai pas osé le lui dire. Je préfère que les gendarmes s'en chargent. Oh là là, on sait vraiment pas son jour. Ben non. Bah, eh ben, je vais vous quitter, moi. Eh oui, je crois qu'on s'est tout dit. Eh oui. Sauf que je ne vous ai toujours pas présenté mes excuses. Et que c'est pour ça que je suis revenu aussi, voilà. Eh bien, écoutez, faites vite, parce que vous savez que j'ai une petite mission à faire, moi, hein? Eh bien, voilà. Je vous présente mes excuses. Voilà. Eh bien, je les accepte, voilà. Au revoir, monsieur Decouche. Ah, franchement... Vous êtes une femme formidable, vous. Ah, vous trouvez? Si. Moi, je vous trouve formidable. Ah, tiens. Ah, si. Votre allure, votre tempérament, votre gaieté, votre humour, franchement, je vais vous dire, vous me plaisez. Eh bien, écoutez, franchement, je vais vous dire, ça fait plaisir à entendre. Vous m'auriez parlé de mon physique, là, j'aurais été comblée, mais c'est déjà bien comme ça. Oh, mais ça, vous savez... Le physique, moi je vais vous dire, je m'en fous. Ah bon, eh ben écoutez, ça explique tout. Ah non, vous ne m'avez pas bien compris là. Non, ce que je veux dire, ce n'est pas le physique qui m'attire chez une femme, voilà. Ah bon? C'est les jambes peut-être? Mais non, c'est pas les jambes. C'est le charme. Et le charme, vous en avez, vous pouvez me croire. Oh ben ça, je ne demande pas mieux. Oh mais moi je me régale. Parce que le charme, voyez-vous, ça ne s'explique pas. C'est subjectif. Si vous connaissez ce mot-là, bien entendu. Hein. Ah oui, très bien, je ne suis pas analphabète, vous savez. Ah bon, parce que moi je vais vous dire, je l'ai lu ce mot-là il n'y a pas très longtemps. Et que c'est même la première fois que je l'utilise. Ah,
Et c'est sur moi que ça tombe. Eh bah, écoutez, oui. Je vais pas m'en plaindre. Hein. Petite, je l'ai bien placé là. Oh, très bien. Pile, pile, ne changez rien. Le charme, voyez-vous. Le charme, c'est comme qui dirait... Comme qui dirait... Comme qui dirait quoi? Le reflet de l'âme, voilà, oui, le reflet de l'âme. Une belle âme. Vous en avez une, ça se voit tout de suite. Oh, mais il y a longtemps que j'avais pas passé une journée comme ça, moi. Dites, ça ne vous ennuie pas que je vous raconte tout ça, hein? M'ennuyer? Mais au contraire, je suis très flattée. Vous savez, ça me fait très plaisir. Je vous écouterai bien encore pendant un quart d'heure, mais j'ai la cuisine à vider. Dites, je pourrais peut-être vous donner un petit coup de main, là. Oh non, merci, vous êtes très gentil, mais j'y arriverai bien toute seule. Tenez, mais ça m'ennuie de vous laisser partir comme ça. Tenez, oh, bah, vous prendrez bien un petit café. Eh bien, je vais vous dire une chose. C'est pas de refus. Eh bien, parfait, eh bien, asseyez-vous. Parce que l'eau pour faire le café, c'est là. Eh bien, je vais vous dire une chose aussi. J'ai tout mon temps. Ah. Ma femme est en cabane, alors. Bon, alors, un petit instant. Madame, madame. Jacques est parti, vous pouvez sortir. Allez, venez, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Elle ne répond pas? Elle boude un peu, vous savez, c'est normal. Madame, je ne suis pas la femme de ménage. Je m'appelle Agathe Sidou. Oh, c'est joli, ça. Quoi? Votre nom, et ça vous va si bien. Sidou, oh mon Dieu. Ça chante, ce nom-là, hein? Oh, ben écoutez, vous êtes très gentil, mais c'est pas l'heure du club des poètes. Non, vous avez raison, oui. Dites, et si je passais par le jardin, vous lui parlez d'un côté et moi de l'autre. À deux, ça ira peut-être plus vite. Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça. Mais surtout, surtout, ne la brusquez pas. Bon, dites, faites-moi confiance quand même. Moi, je vais lui parler en douceur. Eh ben, très bien. Moi aussi. Bon, alors ça suffit comme ça, hein. Vous allez sortir de là, parce que moi j'ai un café à préparer. Et je vais pas rester 2 heures derrière cette porte. Je vous dis que Jacques est parti. Et que vous vous êtes mépris sur son comportement et sur le mien. Je ne vous mentais pas tout à l'heure quand je vous disais que ça fait 40 ans qu'on se connaît. C'est vrai, 40 ans pendant son service militaire en Algérie. On ne s'était pas revus depuis. Alors évidemment, on est tombés dans les bras l'un de l'autre. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Allez, sortez! Vous m'entendez? Sortez! Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai défoncé la porte. Et c'est ça que vous appelez y aller en douceur? Mais c'est à cause des médicaments. Quels médicaments? Je l'ai vu avaler tout un tube. Tout un tube. Alors moi j'ai cru qu'elle voulait se suicider. Alors, j'ai défoncé la porte, voilà. J'ai pas bien fait. Oh, mais je ne sais pas, je ne sais plus. Bon, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh ben, hein? Si c'est ça qu'elle a fait, il faut absolument l'emmener à l'hôpital. Ça tombe bien, j'ai l'ambulance. Je vous la ramène. Madame Sidou. Sidou, ça chante ce nom-là. Oh non, écoutez, c'est pas le moment. Mimi! Oh, Mimi, Mimi! Qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, maman. Ta mère, tu en es sûre? Mais oui, j'ai reconnu sa voiture. Mais où vas-tu, ma chérie? Bah, il faut pas qu'elle me trouve ici. Et moi non plus. Remonte dans ta chambre. Oh non, mémé. Remonte dans ta chambre, ta mère, je m'en occupe. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire que je suis là? Oui, bien sûr que je vais lui dire. Mais pas tout de suite, parce que quand elle va savoir que tu attends un enfant, alors là, oh, ça va barrer. Oh, elle va me tuer. Oh, c'est ça. Mais non, ma chérie, elle ne va pas te tuer. Allez, fais-moi confiance. Dis-moi, Myriam, ce bébé, tu es bien sûre que tu veux le garder, ma chérie? Mais enfin, mémé! Eh bien, tant mieux, parce que moi aussi, je le veux. Merci. Allez, file! Et vous, les talons, où allez-vous? Et vous venez de dire de... Ah, mais pas vous! C'est pas une maison close, ici! Allez plutôt rejoindre l'infirmier dans le parc! Et ne revenez que quand je vous appellerai! Oui, madame! Toute seule? Alors là, ma chérie, t'es trop plein ici.
Qu'est-ce que tu racontes? Tiens, Wendy, tu pourrais pas m'embrasser, là, maintenant que tu sais que je ne suis pas morte? Oh, excuse-moi, bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Et ma sœur, elle vient quand, ma sœur? Ah bah, pas avant midi. Elle a un travail à finir, alors, comme j'étais libre, elle m'a demandé de venir voir si tu avais bien trouvé la maison. Eh bien, tu vois, je l'ai trouvée. Elle te plaît? Eh bien, je n'ai pas eu encore le temps de la visiter entièrement, mais au premier coup d'œil, tu sais, ça m'a l'air pas mal du tout. Tu vas bien? Ah, très bien, ma chérie, et toi? Oui, 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 moi ça va, mais parlons de toi. Ah non, 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 de toi d'abord, de toi. Alors, raconte-moi. Et ton disque, ça avance? Où en es-tu de ton disque? Ah, ben, ça avance, oui, oui, mon enfin... As-tu trouvé l'argent pour le produire? Ben, pas encore, mais tu sais, ça coûte très cher. Ah bon? Et combien te manque-t-il? Oh, au moins 15 000 euros. Eh bien, je te les prête. Toi? Oui? Qu'est-ce que c'est que 15 000 euros, franchement? Mais enfin, maman, le mois dernier, j'ai voulu t'en emprunter 1 000, tu as refusé. Le mois dernier, c'était le mois dernier. Je ne savais pas. Qu'est-ce que tu ne savais pas? Ben, je ne savais pas que je te les prêterais. Aujourd'hui, je te les prête pour fêter la naissance du petit. La naissance du petit? Quel petit? Oh là là, j'ai une petite vite. Mais la naissance du petit disque. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je raconte? Mais enfin, mais ma chérie, tu vas quand même pas en faire un 33 tours? Ah ben non, ça n'existe plus. Mais non, ça n'existe plus les 33 tours. Tu vas faire un CD. Et c'est petit un CD. Et c'est pour fêter la naissance du petit CD que je te prête les 15 000 bébés. Les 15 000 euros. Oh, il va être beau, ce petit CD. Mon Dieu, qu'il va être mignon, ce petit CD. Tu ne veux pas t'allonger un petit peu, maman? Ah non, non, mais je me sens très bien, ma chérie. Ah, je vois. Tu crois que je suis folle? Ah, non, non, non. Mais non, mais non, non. Sais-tu, ça m'a fait ça tout à l'heure. Ça m'a fait ça tout à l'heure. Tu as eu un malaise? Non, non. Mais j'ai cru, moi aussi, qu'elle était folle. Qui ça? La femme de Jacques. Quand elle m'a raconté cette histoire de squatter qu'elle avait assommé parce qu'il croyait que Jacques voulait violer la femme... Maman! Ah non, mais alors là, te tracasse pas, ma chérie, tu vas tout comprendre. Et alors là, tu vas rire parce que figure-toi que la fille, c'était... Ah non, mais tu vas pas rire du tout. Et alors là, je te comprends, ma chérie. Parce que moi aussi, ma première réaction a été plutôt violente. Mais enfin, quand j'ai su qu'il était architecte, ça m'a calmé, ça m'a donné le temps de réfléchir. Architecte, le métier dont je rêvais pour toi. Mais enfin, le principal, là, ma chérie, c'est que tu fasses ton disque. Et tu sais, pour les 15 000 euros, hein, c'est sûr, tu peux compter sur moi. Hein. Bon, ben maintenant que tu es d'accord, il va être temps que je te présente l'architecte. L'architecte? Oui! Mais ne te tracasse pas, il est dans le parc avec l'infirmière. Je n'ai pas laissé filer, tu te rends compte? Hein? C'est peut-être pas la palme, mais enfin... Ah, lâchez-moi, enfin, mais madame, écoutez-moi quand même. Mais lâchez-moi, idiot, lâchez-moi. Mais je vais vous expliquer, madame. Non, 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 je vais voir mon mari. Où est-il? C'est avec lui, je vais m'expliquer, vous m'entendez? Mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens? C'est trop plein. Mais où est-il? Mais où est Jacques? Je veux le voir immédiatement, vous entendez? Immédiatement. Oh, c'est Pierre. Sa voiture s'est écrasée contre un mur. Oh, oh. Qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui avais dit que son Jacques était mort. Mais non, je lui ai dit qu'il était à la gendarmerie. Non. Vous avez dit au cimetière. Oh, ben écoutez, ça arrive à tout le monde de se tromper, hein. Mais qu'est-ce qui vous arrive, vous? Ah, c'est ma fille que vous regardez comme ça. C'est votre fille, hein? Oui, pourquoi? J'ai pas le droit. Oh mon Dieu. Elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle? Ah ça oui, elle est belle. Ah oui. C'est vous avec... Avec 30 ans de moins, c'est ça, je le sais. Elle s'appelle Brigitte. Ah, Brigitte, c'est joli ça. Ça chante ce nom-là. Elle aussi? Qu'est-ce qui ne chante pas avec vous? Heureusement que Myriam est trop jeune pour vous, hein. Myriam? Mais oui, sa fille que vous avez vue tout à l'heure. Sa fille que vous n'avez pas vue tout à l'heure, puisqu'elle est en Angleterre, n'est-ce pas, ma chérie? Mais oui! Voilà, et tu as de ses nouvelles? Ah bah non, pas encore. Rassure-toi, ça va pas tarder. Mais qui est ce monsieur? Ce monsieur-là, c'est l'infirmier qui est en train de remplir son ambulance avec ça. Et alors là, pour la dame, là, c'est un petit peu plus... Eh, dites, si ça ne vous dérange...
conversation un peu plus tard. Je fatigue, moi. Et qu'est-ce que j'en fais, là, hein? Remettez-la là-dedans, elle a l'air de se plaire. C'est ça. Je vais essayer de la ranimer. Oh, vous êtes charmant. Oh, écoute, figure-toi que tout à l'heure... Maman. Quoi, ma chérie? Mais pourquoi lui as-tu parlé de Myriam? Pourquoi je lui ai parlé de Myriam? Ah oui, pourquoi je lui... Oh, tout à l'heure on parlait d'Angleterre. Oui, et comme Myriam est en Angleterre, parce que tu es bien sûr qu'elle est là-bas, n'est-ce pas, ma chérie? Ah mais oui, c'est moi qui l'ai accompagnée à la gare. Et tu as attendu le départ du train? Oh bah eh oh, non hein, j'avais pas le temps. Ah ben non, bien sûr. Ton orchestre, tes répétitions. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien je veux dire qu'elle non plus, elle n'a pas attendu le départ du train. Quoi? Elle n'est pas partie? Non. Mais pourquoi? Pourquoi? Peut-être parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui lui a donné envie de rester. Oh, ne me dis pas qu'elle est amoureuse. Mais si. De qui? Mais enfin, ma chérie, mais de l'architecte. Mais enfin, maman, mais de qui parles-tu? Qui est ce garçon, hein? Et où est-il? Mais il est là, ma chérie, il est... Ah, mais il n'est plus là. Ah, ben dis donc, courageux, mais pas téméraire. Attends. Tu veux dire qu'elle est amoureuse du garçon qui vient de s'en aller? Oui, mais rassure-toi, ma chérie, il va revenir. Non, mais tu plaisantes, là. Non. Et si tu la regardais un petit peu plus, ta fille, tu t'en serais aperçue. Parce que ça se voit, ces choses-là. Mais je la vois tous les jours, Myriam. Tu la vois, mais est-ce que tu la regardes? Oh, mais pourquoi me dis-tu tout ça? Eh bien, parce que tu le veuilles ou non, tu ne pourras pas faire autrement que de t'apercevoir qu'elle est... Mais quelle est quoi? Foutue! Elle est foutue! Myriam, mais non! Ça, il part de sa voiture, là! Tu le savais? Ben oui, Maurice me l'a dit. Mais pourquoi il me l'a pas dit? Oh ben écoute, Jacques, il n'a pas osé. Tiens, tu connais ma fille? Ben, suspect, mais non, tu la connais pas. Brigitte, je te présente Jacques Pertuis, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Dont je ne t'ai pas parlé tout à l'heure. Enchantée. Et Myriam? Et ma femme? Ah ben écoutez, je vais pas répondre à tous les deux en même temps. Mais où est-elle? Elle est dans la cuisine. Non. Elle a éprouvé le besoin de prendre un bol d'air dans le parc. Et maintenant, elle est à faire une sieste. Ne te tracasse pas, Maurice la surveille. Et Myriam? Elle est toujours dans les vapes. Quoi? Mais non, pas Myriam. Oh là là là. Tiens, tu sais ce que tu devrais faire, ma chérie? Tu devrais aller le retrouver, l'architecte. Il est dans le parc. Il te dira, lui, où elle est, Myriam. Il le sait? Mais bien sûr, puisque je viens de te dire, tu pouvais te le dire. Mais tu ne pouvais pas me le dire! Mais c'est ce que je viens de te dire! Oh là là, si on me laissait parler un peu de temps en temps ici, oh! Oh, mais ça m'arrange. Ça m'arrange que ça soit lui qui lui annonce que sa fille attend un enfant, parce que, oh, bah, je ne pourrais pas. Ça va lui faire un choc. Oh, bah, pas comme tout le monde, et ça en mettra, hein. Bon, eh bien, moi, je vais m'occuper de la dame là, alors. Et qu'est-ce qu'elle a, la dame, là? C'est qu'elle aussi, elle a reçu un choc. Quel choc? Oh, ben, elle a cru que tu étais mort, alors. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est épouvantable. Oui, je me suis un petit peu emmêlée dans mes explications, et elle a cru que tu t'étais écrasée avec ta voiture contre le mur du cimetière. Ouais. Non, mais attends, mais il faut lui le dire. Non, mais attendez, là. Il faut d'abord la réveiller. Et moi, j'ai tout ce qu'il faut dans l'ambulance. C'est mon métier, alors laissez-moi faire, mon vieux. Hein. Non, mais attends, mais pourquoi t'as été lui dire une chose pareille, mais là? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Maintenant, tu es vivant, alors. Ouais. Et puis, tu sais, avec tout ce que je subis depuis que j'ai débarqué ici, puis ça, c'est mon premier jour de vacances. Mais ne te tracasse pas, quand elle va te voir, elle va sauter dans tes bras. Oh là là. Et bien, avec ce que je vais lui annoncer, ça m'étonnerait. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Parce que mes amis m'ont tout avoué. T'as eu le temps d'aller les voir à l'hôpital? Non. Je les ai appelés de la gendarmerie. Je les ai appelés à l'hôpital et là, ils m'ont dit qu'ils étaient de mèche avec le directeur de l'agence Fauchin. Quoi? Tu te rends compte? Oui, le gamin avait raison tout à l'heure. La maison est bien vendue. Mais comme il n'y avait que la promesse de vente de signer, le propriétaire avait décidé de ne pas la louer cette année. Alors, le directeur de l'agence Fauchin s'est dit qu'il ne courait aucun risque du fait que le propriétaire passait tout l'été ailleurs, en dehors de la région. Il s'est dit qu'il ne courait aucun risque en allant à mes amis sans le prévenir. Hein? Et tes amis ont accepté cette combine? Tu parles. Ils louaient la maison à moitié prix. Fauchin se mettait donc 8 000 € dans la poche et eux passaient des vacances à l'œil puisque les 8 000 euros...
qu'il donnait à Fauchin, c'était ma part, alors. Et qu'est-ce qu'ils font, tes amis, là? Avocat, comme moi. Eh ben, tu ne me donneras pas leur adresse parce qu'ils t'ont carrément escroqué, hein. Enfin, là, je comprends pas, quand même. Je ne comprends pas. Oh, ben, tu sais, ils peuvent avoir des ennuis d'argent. Mais non, écoute, lui travaille avec moi au cabinet et elle a une grosse fortune personnelle, alors elle n'a absolument pas besoin de ça. Ah bon? Elle est réveillée? Mais non, ce n'est pas d'elle dont je parle! Oh là là! Oh, excusez-moi, excusez-moi! Ah, faut suivre ici. Franchement, faut suivre, hein. Edith, vous n'êtes pas très subjectif, vous, hein. Edith, je l'ai bien placé, là, hein. Non, 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 là, vous avez tout faux. Non, non, vous n'êtes pas très coopératif. Coopératif avec deux os. Avec deux os? Oh là là! Va falloir que je le travaille, ce mot-là. Va falloir que je le travaille. Mais dis donc, j'y pense. Si tu t'es fait avoir, mais peut-être que moi aussi. Fauchin n'est pas assez bête pour louer la maison à deux clients différents. Allons. Hein? Mais alors, ma sœur, mais comment s'est-elle débrouillée, ma sœur? Eh ben, tu lui demanderas quand elle arrivera tout à l'heure. Allez, dépêchez-vous. C'est honteux. Vous m'entendez? C'est honteux. Je suis sûr qu'elle allait pas bien. Eh bien, entrez! Qu'est-ce que vous attendez? Ça y est, vous avez fait connaissance! Ah, maman, je t'en prie, c'est pas le moment de plaisanter! Oui, oui, c'est vrai, ma chérie, c'est vrai. Tu sais combien ça va me coûter, cette histoire? 800 euros! 800 euros? Bah oui, c'est le prix! Le prix? Son stage en Angleterre, il m'a coûté 800 euros! Ah oui, ils sont fichus, ils vont pas me rembourser! Merci, jeune homme. C'est pas pour le plaisir que je l'ai envoyée là-bas, figurez-vous. C'est parce qu'elle est nulle en anglais. Et à cause de vous, elle va rater son bac. Ah, mais ça, bien entendu, vous vous en foutez. Et toi aussi? Comment moi? Bah oui, toi, tu es là, tu ne bouges pas, tu ne dis rien. Ah non, 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 mais, non, mais attends, attends, là, il y a quelque chose qui m'échappe. Ah bah c'est pourtant clair. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Eh bien... qu'il est fou amoureux de Myriam et que c'est lui qui l'a empêché de partir. C'est tout. Parce qu'il y a autre chose. Non. Enfin, si, si. Attends. Allons là, mon petit bonhomme. Bravo. C'est trop facile. Quand on a fait ce que vous avez fait, on a au moins la décence d'avertir la mère de la fille à qui vous avez fait ce que vous avez fait. Voilà, c'est moi qui l'ai dit, il faut que je fasse tout ici. Je suis contente que tu le prennes bien, ma chérie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah bon, tu n'as pas compris? J'ai pas dû être assez clair. Alors à vous maintenant. À moi? Ben, c'est votre belle-mère, c'est pas la mienne. Allez, allez-y. Belle maman. Allez-y, allez-y. Bien, belle maman. Belle maman? Mais oui, puisqu'il va épouser Myriam. Ah mais il n'en est pas question. Ah si, Myriam ne sera pas une mère célibataire. Quoi? Il n'en est pas question, je te dis. Elle fera un très bon mariage et ensuite il y aura un très beau baptême avec plein de dragées. Moi j'adore les dragées, pas vous? Moi si. Eh ben mais alors, mais dites-le lui quand même. Allez. Eh bien, madame, il faut que je vous dise... Mais que vous me disiez quoi? Eh bien, que je veux des dragées, voilà. Oh là, il a encore, il a un petit peu résumé là. Il est en train de te dire qu'il veut des dragées pour le baptême du superbe bébé qu'il a fait à Myriam. Allez, embrasse. Oh là, le salaud! Oh, fais attention, il est architecte! Je vais le tuer, ce salaud! Oh, je vais le tuer, ce salaud! Oh, mais dis donc, de quoi vous mêlez-vous, vous? Est-ce que ça vous regarde? Oh, vous, la boniche, foutez-moi la paix, hein. Et depuis combien de temps ça dure cette histoire? Depuis combien de temps? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais je venais de vous dire qu'on venait juste de se retrouver tous les deux. Mais oui, écoute, voyons, ne sois pas ridicule. Mais c'est pas d'elle dont je te parle et tu le sais très bien. À toi, parce qu'il y en a une. Oui, 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 il y en a une autre. Mais tu es folle alors. Ah, je suis folle. Et Cécile, ça ne te dit rien peut-être? Ah, c'est Cécile. Tiens, tu changes de couleur. Elle s'appelle bien Cécile, ta petite secrétaire. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Qui a été te fourrer ça dans la tête? Lui. Mais je le connais même pas, ce type, moi. Mais comment peut-il? Non, mais attendez, qu'est-ce qui vous prend, vous? Oh, hein? De quel droit insinuez-vous? Et tout ce que je sais, c'est qu'il a dit la vérité. Tu vas t'expliquer avec lui plus tard. Mais moi, tout ce qu'il y a de sûr, c'est que je te sortirai dans le parc, parce que j'en ai marre de te voir. Je te dis adieu, c'est fini. J'attends que tu quittes cette maison, adieu. Non, mais attends, Dominique, je vais t'expliquer, là. Bah, bravo, hein. Merci, hein.
Dites, c'est pas de ma faute, hein. Mais non, bien sûr, c'est de la mienne. Dites, personne ne m'a présenté à personne ici, moi. Oh. Et si vous n'aviez pas une maîtresse qui s'appelle Cécile, hein? Ah ben... Parce que c'est vrai. Mais oui, mais pourquoi vous lui avez... Pourquoi vous avez été lui raconter une histoire comme ça, moi? Mais pourquoi? Parce que j'ai cru que Cécile, c'était elle, voilà. Elle, c'est ma femme. Eh ben oui, maintenant je le sais. C'est facile, mais c'est trop tard. Alors voilà, quand elle s'est réveillée, elle m'a demandé qui j'étais. Mm-hmm. Et comment je vous avais connu. Alors moi, je lui ai dit que je... Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que je vous avais frappé parce que je vous croyais l'amante de ma femme. Et que vous m'aviez juré que non, parce que votre maîtresse à vous s'appelait Cécile. Alors là, elle a sauté au plafond. Et c'est pendant qu'elle retombait que j'ai compris que Cécile, c'était pas elle. Attendez, mais c'est épouvantable, ça! Épouvantable! Oh non, si c'est ce genre de femme que tu aimes, tu n'auras pas de mal en plus, non. Oh non, écoute, je t'en prie, Agathe, hein! Non, mais tu t'imagines, si elle divorce, je peux dire adieu à mon cabinet, moi. Ah bon, pourquoi? Mais parce que le cabinet lui appartient, voilà, c'est tout. Ah bon? Moi, quand je me suis marié, quand je l'ai épousé, j'avais pas un rond, alors... Ah bon? Et elle en avait... Ah oui, fortune personnelle. Oh ben dis donc! Ton copain et toi, vous n'épousez que des fortunes personnelles. Ah non, écoute, je t'en prie, hein. Oh, mais y a pas de honte à faire un mariage d'argent, hein. Mais voyons, mais je n'ai pas fait un mariage d'argent. J'ai fait un mariage... D'amour! De l'argent. Voilà, c'est ça. Mais non, mais qu'est-ce que tu me fais dire, là? Mais qu'est-ce que tu me fais dire? Mais non, voyons. Quand je l'ai aimée, parce que tu t'imagines, toi, qu'on ne peut pas aimer une femme riche. Ah si, oh si. Et puis je dois dire que c'est plus facile d'en aimer une riche que d'en aimer une pauvre. Ne serait-ce que pour les relations, surtout pour un avocat. Oh, vous êtes avocat? Oui, pourquoi? Alors là, maître, laissez-moi faire. Alors écoutez, je vous en prie, ne m'appelez pas maître pour le moment. Mais si, c'est que je vais peut-être avoir besoin de vous, moi. Comment ça? Eh bien, pour ma femme, avec la bêtise qu'elle a faite, elle risque gros. Hein. Ah oui, ça, écoutez, complicité de tentative d'évasion, ça peut aller chercher dans les 5 ans, là. Oh mon Dieu. Eh oui. Et avec vous... Dix ans. Écoute, Agathe, je t'en prie, arrête, hein. 2 ans avec sursis. Alors là, je prends tout de suite. Parce que 5 ans sans la voir, franchement, je ne pourrai jamais. C'est vrai qu'elle m'en fait baver, alors ça c'est vrai. Mais alors, 5 ans sans elle, non, là, non, là c'est trop. Bon, écoutez, je vais voir ce que je peux faire pour votre femme, mais pour le moment, faut que je m'occupe de la mienne. Non, attendez. Si vous vous occupez de ma femme, moi je m'occupe de la vôtre. Je vais réparer, voilà. Je vais lui faire croire que je lui ai fait une blague. Et je vous la ramène douce comme une brebis. Ah ben dis donc, ça m'étonnerait, hein. Dites, faites-moi confiance quand même. Au fait. Oui. Comment elle s'appelle? Dominique. Dominique, très bien. Oh, ça chante ce nom-là, ça chante. Non, alors écoute, Agathe. Que tout te fasse rire, toi, moi ça me dépasse. Ah écoute, j'imagine ta femme dans le pavillon du fond parce que tu l'as trompée, regardant passer ma fille qui court après un garçon qui a fait un enfant à la sienne. Ah, écoute ça, je craque. Je trouve pas ça drôle du tout, moi. Pas mais du tout. Excuse-moi, c'est nerveux. Oh, puis fais pas cette tête-là, écoute, tu viens de trouver un client. Comment ça? Eh ben, Maurice, tu vas défendre sa femme. Ah oui. Et là, je parle sérieusement. Eh bien, moi aussi, j'ai besoin de tes services. Toi? Oui. Si tu arrives à convaincre Brigitte de laisser ses 2 enfants tranquilles, eh bien, tu ne le regretteras pas. Ah bon? Et qu'est-ce que tu feras? Eh bien, je te laisse à maison. Tu ferais ça? Oui. Si tu arrives à convaincre Brigitte, attention, hein. Et toi, alors, où iras-tu? Oh, moi, ne te tracasse pas. Avec des amis que ma sœur compte dans la région, tu sais, on n'aura aucun mal à se loger. Et puis, tu sais, Jacques, un méchoui, ça s'organise n'importe où. Agathe, tu es formidable, tu sais. Ah bon? Et c'est seulement maintenant que tu t'en aperçois? Tu es formidable, mais je crois que tu vas rester ici. Ah bon? Pourquoi? Oh, parce que tu sais, je la connais, Dominique. Elle va pas revenir comme ça. Quand elle va revenir ici, ce sera pour faire ses valises et puis regagner Paris.
Parce que cette affaire avec les Américains, c'est elle qui l'a préparée. C'est avec elle qu'ils ont traité. Et demain, sans elle, eh ben, ils ne signeront rien. Écoute, arrête de te désespérer comme ça. Écoute, on verra bien. Hein. Et la voilà, la voilà! Eh ben, vous, allez monter dans la chambre, Roméo. Et ne sortez que quand je vous appellerai. Alors, pour Myriam, je peux compter sur toi? Mais oui, écoute, Agathe, je te dois bien ça. Allez. Petit salaud, va! Petit salaud! Ça va, elle est calme. Elle est calme? Où il est? En colère. Ça va pas être facile. Hein. Où il est? Il est là-haut? Non! Si! Ah ben, ça commence bien. Si, il est là-haut, mais vous, vous restez ici. Pardon? Non, je dis que vous restez ici. Vous vous calmez et vous m'écoutez. Pas un mot. Gardez votre salive, mon vieux, et poussez-vous! Attendez, attendez. Non, 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 j'ai dit que vous restez ici. Vous restez là et vous m'écoutez, voilà tout. Allons. Maman, veux-tu dire à ce guignol de s'occuper de ce qu'il regarde? Mais ça le regarde, ma chérie, parce que c'est mon avocat, je viens de l'engager. Oh, arrête avec tes plaisanteries douteuses et fais descendre ce petit salaud. Et toi, arrête avec ce langage ordurier, s'il te plaît. Parfaitement, vous aurez... Ou la ferme, si tu veux que j'arrête, fais-le descendre. Oui, et alors quand il sera descendu, qu'est-ce que vous lui direz? Mais qu'il n'aura jamais ma fille et qu'il ne la reverra plus, jamais. Et l'enfant? Vous avez pensé à l'enfant, là? Non, mais vous plaisantez! Il n'est pas question qu'elle garde cet enfant! Qu'est-ce qu'elle a dit, là? Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu m'as très bien entendu! Il n'est pas question qu'elle garde cet enfant! À toi! À moi? Ah oui, c'est le moment de faire voir tes talents! Ah. Il faut plus que je m'en mêle, moi, parce que je vais tout casser là-dedans! Mais elle a 16 ans, Myriam! Et après, elle en fait 10 de plus! Et oh. À 26 ans, c'est le bon âge pour avoir un enfant! Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais la vérité, tout le monde dit qu'elle fait 10 ans de plus! Qui? Tout le monde? Mais tiens, Jacques, par exemple! Moi? Mais oui, quand tu l'as vue tout à l'heure, tu m'as bien dit qu'est-ce qu'elle fait vieille, la petite! Quoi? Il l'a pas dit tout à fait comme ça, mais il l'a dit! Mais elle a dit quelque chose! Oui, alors, écoutez, madame! Non, je n'écouterai rien, j'ai la loi pour moi! La loi? Il n'y en a qu'une de loi, la mienne! C'est à la femme de décider, à personne d'autre, tu m'entends? Et surtout pas une loi qui a été faite par les hommes qui profitent de ce que les bonnes femmes élèvent leurs enfants pour aller papoter au Parlement. Mais ça, ça va changer. Ah, je ne sais pas quand, mais ça va changer. Et la vie de Myriam? Tu t'en fiches? Mais je viens de te dire que c'est à la femme de décider. Et parce que Myriam a décidé? Oui! Quand? Ah ben, je ne sais pas moi, mais... Mais alors, bouclez-la! Myriam est une enfant! Elle est incapable de prendre une décision aussi grave sans m'en parler. Quand? Tu ne la vois jamais? C'est ma fille et je la connais mieux que toi. Non, tu ne me connais pas. Myriam! Tu vois, tu ne la connais pas. Mais comment peux-tu dire ça? Mais parce que c'est la vérité. Tu es toujours sur les routes avec ton orchestre. Il n'y a qu'une chose qui compte pour toi, ton orchestre. Comment trouverait-elle le temps de te dire qu'elle attend un enfant? Et toi, comment pourrais-tu l'entendre? Tu ne débranches jamais ta sono. Ma chérie, viens. Ma chérie. Puisque tu as eu le courage d'affronter ta mère, continue. Et ne cède pas. Allez, tu vas lui dire que tu veux garder cet enfant. Allez, dis-lui. Je veux le garder, maman. Hein? Et comment vas-tu l'élever? T'occupe pas de ça. T'occupe pas de ça. Quoi? Elle te dit de ne pas s'en occuper. Elle a sa grand-mère pour ça. Oui, tu as ta grand-mère pour ça. J'ai ma grand-mère pour ça. Et ma sœur aussi. Et ma sœur aussi. Non, c'est pas ta sœur. À toi, c'est ma sœur. À moi. Donc toi, c'est ta grande-tante. Ta grande-tante. Ma grand-tante aussi. Voilà, elle a sa grand-mère, sa grande-tante, ma sœur. Ah non, non, là, il y en a une de trop, mais c'est pas grave. Et quand l'architecte aura fini ses études, eh bien, c'est lui qui prendra le relais. N'est-ce pas, jeune homme? Oui, mémé. Oh! Oh! Mémé! Il vient de m'appeler mémé. Ça ne te fait pas craquer, ça? Mais tu es devenue folle, hein? Ah, ma petite fille, fais attention à ce que tu dis, hein? Jacques! Oui! Dis-lui de faire attention à ce qu'elle dit. Ah oui, alors écoutez... Mais vous allez la fermer quand, vous? Quand j'aurais décidé pas avant. C'est mon avocat. Oh, eh ben, tu peux en changer tout de suite, hein, parce que c'est pas celui-là qui m'impressionnera. Ah oui, ça, je dois dire que tu n'es pas vaillant. Je crois quoi? Tais-toi! C'est la guerre que tu cherches. Si tu ne changes pas d'avis, oui, ce sera la guerre. Tu vas la perdre. Ça m'étonnerait. Moi aussi, j'ai un avocat. Tu vas prendre un avocat? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Oui, mais toi, il est vraiment pas... Ça, je sais pas quoi. Tais-toi! Tu sais ce que j'en ferai de ton avocat si vous décidez de toucher un cheveu
à Myriam de la purée. Agathe! Oh! Mais calme-toi! Ah, oh, mais tu sais, c'est très bon, la purée d'avocat! Je suis sa mère et j'ai tous les droits. Et tu feras ce que je déciderai. Tu m'entends, Myriam? Non, tu ne décideras rien du tout. Parce que la seule qui a droit sur mon enfant, c'est moi. Tu m'entends, moi et personne d'autre. Myriam, écoute-moi! Lâche-moi! Tu personne n'en empêchera personne. Myriam, attends! Eh bien, qu'est-ce que vous attendez, vous? Mais rejoignez-les, elle va avoir besoin de vous, Myriam, quand même. Allez, allez, courage! Eh bien, je vais lui dire à sa mère, moi. Je vais lui dire, j'aime Myriam et je veux garder l'enfant. Oh, mais il est extra, là! Mais c'est pas à moi qu'il faut dire ça, c'est à sa mère! Ouais, mais ça va pas être facile. Ah non, ah non, là, ça ne va pas être facile, non. Ah non, ça, ça va pas être facile. Tiens, tu l'as retrouvé, ta voix, toi? Ah non, mais là, attends, hé. Comment voulais-tu que j'en place une, moi, hein? Vous n'arrêtez pas toutes les trois. Taisez-vous, la ferme, bouclez-la. Je ne sais pas si tu t'imagines ce que c'est que de préparer une plaidoirie. Il faut du temps, il faut du temps, il faut chercher les bons arguments, il faut trouver les mots justes, il faut de la réflexion. Et là, j'en ai pas eu, là. Eh bien, profites-en, parce que dans 5 minutes, elles vont être revenues, hein. Allô? C'est ma sœur. Ah, allez, travaille, toi, oui, travaille. Mais on travaille. Hein. Mais non, c'est pas à toi que je dis ça. À qui? Eh bien, dépêche-toi de venir, tu sauras à qui. Oui. Oui, 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 ne te tracasse pas. Brigitte est bien là. Et Myriam aussi, figure-toi. Oui. Elle n'est plus en Angleterre, Myriam. Elle est revenue. Elle ne se faisait pas la nourriture. Non. Ah non, alors pas du tout. Elle, ça la faisait enfler. Elle a bien pris un kilo. Alors, je te dis pas dans 9 mois. Non, tu peux pas comprendre. Bon, écoute pas trop sérieusement, là. La maison, explique-moi bien tout. À qui l'as-tu loué, finalement? Ah bon? Ah bon? Oh, bon, bravo. Oh, ben, tu te débrouilles drôlement bien, dis donc. Ah oui, ah ben, non, ben non, tu fais ce que tu veux, tu es ma chère. Mais écoute, tu aurais quand même pu me prévenir avant que je n'arrive, hein? Pourquoi? Eh bien, dépêche-toi de venir, tu sauras pourquoi. Dans 1 heure, c'est parfait. Bisous, à plus, ma chérie. Alors, la maison? Eh bien, elle est bien pour elle. Non, attends, à qui l'a-t-elle louée? Elle ne l'a pas louée, on la lui a prêtée. Oh! Oui, c'est le propriétaire qui la lui a prêtée, parce qu'elle lui fait ses déclarations de revenus gracieusement depuis des années. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, il n'y a pas que ça qu'elle lui fait gracieusement. D'accord. Alors cette année-là... Oui, oui, te fatigue pas, j'ai compris, j'ai plus rien à faire ici, moi. Qu'est-ce que tu as compris? Tu n'as compris rien du tout, ça dépend de ta plaidoirie. Ma plaidoirie? Mais oui. Ah, parce que ça tient toujours. Mais bien sûr, si tu arrives à convaincre Brigitte, je te laisse la maison. T'as qu'une parole, moi, hein. Parfait, d'accord. Alors, tu as eu le temps de réfléchir, là? J'ai pris quelques petites notes, hein. Je sens que ça va aller, oui, oui. Mais dis-moi ce que tu vas dire. Mais tu verras le moment venu, voilà. Bon, ah non, mais écoute, dis-moi ce que tu vas lui dire, je vais te dire si c'est bon. Mais attends, mais tu rigoles ou quoi? Elle n'est pas là. Eh bien, justement, il faut te chauffer. Comment ça? Ah ben, je la connais, ma Brigitte, hein. Il faut frapper fort, hein, sinon c'est cuit. Allez, allez, dis-moi ce que tu vas lui dire, je vais te dire si c'est bien. Bon. Bon, écoute, je fais Brigitte. Tu fais Brigitte, d'accord. Voilà. Bon. Imagine que je suis Brigitte. Oui. De l'imagination. Brigitte, écoutez-moi. Quoi? Foutez-moi la paix, je vous interdis de m'appeler Brigitte. Qu'est-ce qui te prend, là? Eh bien, je fais Brigitte. Elle a horreur qu'on l'appelle par son prénom. Fallait le dire au départ, hein. Bon. Alors, écoutez, madame. Foutez-moi la paix. Maman, je t'ai déjà dit de me débarrasser de ce guignol. Oh, mais écoute, ma chérie, écoute-la. Non! Écoute-moi, chérie, quand même quelques instants, écoute-la. Mère! Allez, à toi, là! À moi? Ben oui, coupe! Il faut nous couper, tu vas quand même pas la laisser m'insulter comme ça pendant coupe. Des heures. Non, mais c'est n'importe quoi. Écoute, ça suffit, ah. Là! Merde, alors! Oh, mais dis donc! Quoi? Oh, ben dis donc, quand tu t'y mets, toi! Ah, ben, je coupe, moi! Bon. Je vous coupe. Bon, eh bien, écoute, je t'écoute. Ouais. Allez. Écoutez, madame, c'est scandaleux! Être obligé de se battre pour convaincre une mère, parce que vous êtes bien la mère de Brigitte.
de Myriam. Vous ne l'avez pas oublié, j'espère. Ah, mais non, ça, je la connais. Elle... Silence! Vous, la maman, celle qui devrait être la première à l'écouter, à la comprendre, à la rassurer sans la juger, la première à l'aider sans la menacer, avec une tendresse et une compréhension dont elle aura terriblement besoin dans les jours qui vont suivre. Que faites-vous? Vous la traitez comme une enfant capricieuse et trop gâtée. Alors, quelle est, que vous le vouliez ou non, une femme à part entière. Une femme à part entière qui a seule le droit de décider, après mûre réflexion, bien sûr, de ce qu'elle va faire. Ce qu'elle réclame, madame, ce n'est pas un nouveau jouet. Oh, non, pas du tout. Ce n'est pas non plus une nouvelle peluche dont elle se débarrassera à la première occasion et qui finira sur une étagère au milieu d'autres peluches. Oh, ce qu'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, alors là, la peluche, ça c'est très bien. Allez, vas-y, remets-en sur la peluche. Non, parce que tu apprendras qu'une plaidoirie, ça ne se coupe pas. Alors j'arrête. Mais non, écoute, ça suffira, ça sera très bien comme ça. Oh là là, c'est parfait, ça suffit. Oh, écoute, je vais te dire, je la connais, ma Brigitte. Dès qu'elle voit une nounours, elle fout en larmes. Ah bon? Oui. Mais alors toi, bravo. Écoute, quand tu plaides, on a l'impression que tu vis ce que tu dis. Oh, écoute, je vais te dire une chose. Je ne défends jamais un dossier si je ne suis pas moi-même entièrement convaincu. Eh bien, voilà. Dis donc, tu ne dois pas travailler tellement souvent. Au secours! Faites quelque chose! Retenez-la! Où il est? Où il est? Mais je suis là, ma chérie! Non, c'est pas toi que je cherche! Où il est? Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qu'elle a, là? Oh, alors là, ça c'est encore un coup de Maurice. Tout à l'heure, il a défoncé la porte de la cuisine. Il a dû faire pareil avec la porte du pavillon. Mais attends, mais il est fou. Je lui ai expliqué. Dominique, je vais t'expliquer tout. Mais dans le fond, mais pourquoi est-ce que Dominique porte la blouse de Maurice? Et pourquoi? Dites. Elle est partie. Oui. Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Mais pourquoi êtes-vous dans cet état? J'ai résisté, madame. Je vous jure que j'ai résisté. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Enfin, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Elle voulait se venger de son mari parce qu'il la trompait. Alors, j'aurais pu tomber sur n'importe qui, hein? Mais non. Il a fallu que ça tombe sur moi. Alors là, il a fallu... Oh non! Alors là, ne me dites pas qu'il a fallu que... Il a fallu... Il a fallu que je sois coopératif, voilà! Et dites, j'en ai bien passé, là, hein? Ah, très bien! Ah, ça, alors là, très bien! Oh, vraiment, le pauvre Jacques, c'est vraiment pas son jour. Non, mais c'est pas vrai, t'as quand même pas fait ça! Ah si, et si je le retrouve, je recommence. Ah, le voilà. Ah, ça c'est un homme, un vrai, hein. Oh, et qu'est-ce qu'elle te trouve, ta Cécile? Qu'est-ce qu'elle te trouve? Enfin, si un jour tu veux t'en débarrasser, prête-la à Maurice, il saura quoi en faire. Hein. Dites, laissez-moi souffler un peu quand même, hein. Arrête, parce que ça devient indécent. Ce qui devient indécent, c'est d'avoir vécu avec toi. Oh, les pleins, les femmes que tu as rencontrées avant moi. Oh, si vous saviez! Mais je sais, c'est pas vrai. Ah, mais si! Oh, ma peau! Oh, mais non! J'en ai gardé un excellent souvenir, je vous assure. Ah, bon? Et ça remonte à quand? À 40 ans. Ah, je vois. Vous l'avez eu à l'état neuf. Moi, j'ai hérité d'une occasion. Quand le vernis craque, ça devient épouvantable. Eh bien, moi, je me préfère sans vernis et pas lui. De vernisser et dessécher. Au moins, si au moins il m'avait fait un enfant, mais non, même pas, il n'a même pas été capable. Ah non, alors là tu permets, c'est toi qui ne pouvais pas en avoir d'enfant. Parfaitement. Avec toi, mais avec un autre. Avec un autre, je suis sûre que j'aurais pu. Non mais attends, moi, c'est, ça a été le drame de ma vie de ne pas avoir d'enfant. Mais je suis certain qu'avec une autre, j'en aurais eu des enfants. Tu m'entends? Avec une autre. Oh,
Ah, avec une autre. Oh, oh, ben laisse-moi rire avec une autre. Ah, mais ils seraient bons, tes enfants, si tu les avais eus avec une autre. Ils seraient comme toi, pas fini. Oh. Pas fini. Pas fini. Qu'est-ce qui vous prend, vous? Je vous parle pas, vous? Ah, ben moi, je vous parle. Elle est pas finie, ma Brigitte, peut-être. Mais quelle Brigitte? Mais qui c'est, Brigitte? Brigitte, c'est ma fille. Elle est bien finie. Vous verrez quand vous la verrez. Mais qu'est-ce que vient faire votre fille là-dedans? C'est quand même pas lui qui... À qui l'a fini? Non, ça c'est moi, et toute seule. Mais c'est quand même bien lui qui l'avait un peu commencé, hein. Oh, oh, mon Dieu! Allez-y, je suis là, moi. Edith, ouvrez-moi la porte. Je connais le chemin, je m'en occupe. Ah, écoute, je suis désolée, Jacques. Ça m'a échappé. Mais oh, c'est de la faute à l'autre brebis, là. Venir me dire que ma Brigitte, elle n'était pas finie. Alors là, écoute, ça m'a... Ah non, oh, c'est pour ça qu'il va arranger tes vacances. Dis donc, attends, là, c'est pas vrai ce que tu viens de me dire tout à l'heure, là. Quoi? Brigitte, tu dis que c'est... Enfin, qu'elle est... Tu ne veux pas dire que c'est... Ta fille? Mais si, Jacques, mais si. Oh, j'aurais bien voulu la faire avec quelqu'un de très célèbre, de très connu. Tiens, le général de Gaulle, par exemple. Mais cet homme-là, je ne le voyais pas tellement souvent. Mais attends, mais t'arrêteras jamais de plaisanter, toi, hein? Ah si, mais le plus tard possible. Et je le repousse, ce moment, je le repousse. Mais attends, pourquoi tu ne me l'as jamais dit, hein? Tu aurais aimé savoir. Mais bien sûr, écoute. Brigitte est ma fille et tu me l'as cachée. Pourquoi? Mais pourquoi? Mon cher Jacques, j'ai l'honneur de t'apprendre que j'attends un enfant de toi. C'est ça que j'aurais dû t'écrire. Hein? Bah écoute, c'était la moindre des choses, non? Et tu aurais lu ça avec ta petite fiancée blottie dans tes bras? Oui, non, enfin... En cachette alors, tu l'aurais lu en cachette. Mais non, mais... Tu lui en aurais parlé? Oui, mais enfin pas tout de suite, quoi. Un peu plus tard. Oui, voilà, un petit peu plus tard, juste le temps de réfléchir. Voilà, eh bien c'est pour ça. Je ne voulais pas recevoir une lettre avec, je ne sais pas, un peu plus tard, réfléchir. Mais non, écoute, je t'aurais pas écrit ça. Mais si, Jacques, et tu le sais très bien. Mais non, alors... Écoute, Jacques, tu es parti en me faisant le plus beau cadeau qu'une femme puisse espérer de l'homme qu'elle aime. Moi, je n'avais aucun problème pour l'élever. Et à l'époque, t'en parler, c'était te l'imposer. Et avec notre différence d'âge. Allez, écoute, n'en parlons plus, hein. Veux-tu, n'en parlons plus. N'en parlons plus? Non, mais attends, tu rigoles, hein. Tu me caches ma fille pendant 40 ans, il faudrait plus que j'en parle. Mais attention, je ne vais plus parler que de ça, moi, tu m'entends? Je ne vais plus parler que de ça. Ah oui, à qui? À ta femme? Oui, bien sûr, mais non. Enfin, pas maintenant. Voilà, un peu plus tard. Voilà, c'est ça, le temps de... De réfléchir. Non, mais écoute, attends. Brigitte est ma fille et... elle a très bien vécu jusqu'à présent sans toi. Et elle va continuer. Tu m'entends? Et je t'interdis de lui en parler. Tu m'entends? Je t'interdis. Mais c'est insensé ce que tu racontes là. Allons, tu n'as pas le droit. Tu m'entends? Tu n'as pas le droit. Brigitte est ma fille et il faudra bien qu'elle le sache. Voilà. Ah bon? Et pourquoi? Mais parce que tu le sais, je le sais. Donc il faudra bien qu'elle le sache un jour. Voilà. Eh bien peut-être un jour, mais pas maintenant. C'est pourquoi? Parce que c'est pas le moment. Mais pourquoi? Ah ben écoute, pas maintenant. Elle ne peut pas apprendre qui est son père alors qu'aujourd'hui, elle vient d'apprendre qu'elle va être grand-mère. Grand-mère? Ben oui! Tu oublies que Myriam attend un enfant. Ah mais non! Ben, dans 9 mois, elle sera grand-mère. Ah mais non, il n'en est pas question. Ah ben écoute, tu feras comme tout le monde, t'attendras 9 mois. Mais non, écoute, il n'en est pas question, hein. Parce que je vais te dire une chose, Myriam, c'est ma petite fille. Et alors? Elle n'a que 16 ans, Myriam. Et alors? Et alors? Eh bien, Myriam est encore une enfant. Une enfant qui ne sait peut-être, qui n'a peut-être besoin que d'un jouet. Peut-être que d'une nouvelle peluche dont elle croit pouvoir se débarrasser à la première occasion et qu'elle laissera traîner sur une étagère. Parce que, comme une enfant, tout gâtée qu'elle est. Ah non, mais ça, c'est pas vrai. Ah non, mais dites-moi que c'est pas vrai. J'ai quand même pas réussi à élever ma fille pendant 40 ans sans être emmerdée par un bonhomme pour voir arriver un ancien jeune premier tout grisonnant qui n'a qu'une seule trouille. Se faire appeler Pépé dans les prochaines années. Non, mais dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas à moi que je pense. Eh bien, pense-y. Parce que je ne laisserai personne à toucher un cheveu de la tête de Myriam, tu m'entends? Personne. Et surtout pas toi, tu devrais être le dernier. Et maintenant, faut que j'arrête parce que je crois que je vais faire un malheur. Agathe, écoute, calme-toi s'il te plaît. Me calmer quand j'entends des horreurs pareilles? Allez, sors d'ici, tu m'entends? Sors d'ici. Maman, mais arrête, calme-toi. À toi aussi, tu voudrais que je me calme? Mais sais-tu où tu serais, ma petite fille, si j'avais
aurait eu une raison. Parce que moi, j'étais seule pour te mettre au monde. Seule pour t'élever. Seule pour pleurer les jours où c'était trop dur d'être seule. Et maintenant, sortez. Maman. Allez, sortez. Maman. Juste quelques instants. Personne ne m'a vu pleurer. Et je sens que je ne vais pas pouvoir m'en empêcher, là. Si, moi, je t'ai vu. Pleurer? Oh non, ma petite fille. Oh non, ça, jamais. Oh, ah, si. Ah, c'était il y a longtemps. J'étais petite. Une nuit, je t'ai surprise dans la cuisine. Tu tenais une vieille photo dans les mains et tu pleurais, maman. Tu pleurais. Plus tard, j'ai retrouvé la photo. Je savais bien où tu la cachais. Tu étais dans les bras d'un jeune officier. Et là, tu riais, maman. Tu riais. Jamais je ne t'avais vue aussi. Tu étais rayonnante. Lui, il était beau. Il était très beau. Il a bien changé, hein. Il souriait. Il avait un petit air rêveur, déjà ailleurs. Il devait chercher une enveloppe. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai acheté un feu d'artifice pour ton anniversaire. Bon, les enfants vont le trouver. Ils s'amusent un peu. Elle a le cœur à s'amuser, Myriam. Mais oui, parce qu'elle m'a convaincue, maman. Et je lui ai dit que quoi qu'il arrive, nous serions là toutes les deux pour l'aider, pour l'aimer, maman. C'est vrai, ma chérie, que je suis heureuse. Toutes les deux, maman. Toutes les deux. Alors écoute, franchement, Brigitte, c'est une fille formidable. Un feu d'artifice pour mon anniversaire. Alors là, fallait y penser. C'est bête que tu sois pas là pour le voir. Mais je serai là. Ah, mais oui, c'est vrai, tu gardes la maison. Oh, mais écoute, c'est pas grave, on ira le tirer ailleurs. Mais non, tu le tireras ici, parce que je reste et toi tu restes aussi. Ah, certainement pas, parce que tu gâcherais la fête. Moi? Oui, puisque tu ne veux pas que Myriam garde son bébé. Comment ça, je ne veux pas? Mais je ne veux que ça, moi, au contraire. Ah bon, bah, c'est nouveau, ça, et depuis quand? Depuis que Brigitte a changé d'avis, voilà, c'est ça. C'est Brigitte, c'est ma fille, et je ne veux pas la contrarier. Elle te fait peur, hein, Brigitte, hein? Peur, cette gamine? Bon, attends, non, laisse-moi rire. Elle m'agace, oui, ça, elle m'agace. Moi, elle t'agace? Oui, écoute, elle vient de dire tout à l'heure, toutes les deux. Et ça, il n'en est pas question, tu comprends? Hein? Parce que qui c'est le chef de famille ici? Non, mais le quoi? Le chef de famille! Oh, mais non, non, mais là, je rêve, là, je rêve! Eh ben, réveille-toi. Réveille-toi parce que tu sois contente ou non, le chef de famille ici, c'est moi. Et il n'est pas question, tu m'entends? Il n'est pas question que je laisse l'éducation de mon arrière-petit-fils parce que ce sera un garçon, ça j'en suis certain. Et je m'occuperai de son éducation parce que il n'est pas question que Myriam, avec ton aide et celui de Brigitte, l'élève n'importe comment. Trois femmes pour l'éducation, c'est pas bon. Tu m'entends? C'est pas bon du tout. Mais c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Il arrive avec 40 ans de retard. À qui la faute, hein? À qui la faute? Qui m'a laissé 40 ans dans l'ignorance de ma paternité, hein? Pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait ça? T'as qu'à trouver d'enveloppe, bien sûr. Oh là, il se fout de moi. Dis, tu te fous de moi? Non, écoute, c'est honteux ce que tu as fait, tu m'entends? C'est honteux. Et hein? Ta petite fiancée, qu'est-ce que tu en aurais fait? Eh ben, je l'aurais virée, voilà, je l'aurais virée. Oh, c'est facile à dire, 40 ans après, hein. Je te dis que je l'aurais fait, voilà. Et tes Américains, comment tu vas les virer? Aucun problème, parce que mes Américains, je leur ferai croire que le feu d'artifice, c'est en leur honneur. Oh! Mon feu d'artifice à moi! Ce n'est plus ton feu d'artifice, ce sera leur feu d'artifice. Ils seront très flattés, très heureux, et ce sera un jeu des fers signés, voilà. Et ta femme? Aucun problème, aucun! Ah si, merde, là, il y a quand même un petit problème. Eh ben, moi, je vais te dire, un gros problème! Comment tu vas faire quand elle va s'effondrer? Ah, laisse-moi le temps, je vais réfléchir et je vais trouver. Laisse-moi le temps, allez. Mais écoute, dépêche-toi, parce que je n'ai loué la maison que pour un mois, hein. Laisse-moi le temps, comment veux-tu que je réfléchisse si tu parles sans arrêt? Allons! Bon... Toi? Oui, je crois que j'ai une idée. T'as une idée? Oui. C'est quoi? Maurice. Quoi, Maurice? Si tu lui demandais de s'en occuper de ta femme. Tu crois? Ah oui, et c'est peut-être déjà ce qu'il est en train de faire. Tu sais
Tu vois que je l'ai eu l'idée, hein? Tout seul, oui. Ah ben bien sûr, mais bien sûr. Comme ça, Jacques, demain pour mon anniversaire, tu vas être là. Ah ben oui, et que ça te plaise ou non, ça ne te plaît pas. Mais dis donc, qui c'est le chef de famille ici? Ah ben alors, quand même. Ah. Alors demain pour mon anniversaire, j'aurai ma petite fille, ma fille et son papa. Oui. Ah, Jacques, pour la première fois, je vais avoir des vacances de rêve. Brûlez. Ça va pas commencer, alors. Mais qui ça? L'infirmier, ça fait 2 heures que je suis enfermé dans son ambulance. Brûlez. Interpréter une pièce de Francis Joffaut. Une mise en scène de Rosemarie Demey. Les décors ont été réalisés par Michel Bouénard et son équipe. A été réalisée par Michel Ledors. Derrière au bruitage, il y a Gérard Toal et Maurice Renaud. Les bruitages ont été réalisés au studio Faune Production et nous tenons à remercier Laurent Renaud. Armel Perrault, Elisabeth Tanou, Suzelle Beaumain, Aurélien Chapon, sans son fan club, il n'a pas ce soir, Anne Vitre, Jean-François Demey, Michel Lelièvre, Daniel Lelièvre, Elisabeth Poirier, et après nous partons en tournée à l'étranger. Je vois que vous connaissez. Le samedi 16 avril, nous allons à Tressin dans les Côtes d'Armor. Voilà, rendez-vous ceux qui n'auront pas vu. Vous pouvez dire à vos amis, rendez-vous à Tressin, sinon encore demain et mardi. Bonsoir, merci à tous, faites attention, rentrons.